Bien. Bonsoir à tous. Donc nous sommes ravis de nous retrouver enfin dans des conditions un peu plus habituelles dans cette salle qui sera dorénavant notre salle de réunion pour le conseil municipal. Cette salle qu'on a renommée Christian Julien en hommage à notre ancien maire. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Madior Dieng pour toutes les installations nouvelles que nous avons mises en place. Merci monsieur le maire. Faire vivre notre démocratie, c'est aussi doter d'outils qui permettent aux habitants de mieux suivre nos débats, nos échanges. Nos débats, nos échanges, les outils peuvent beaucoup de choses, pas tout. Effectivement, grâce à ces caméras, les micros, les personnes en live vont cette fois-ci non pas entendre juste le bruit de la salle, mais via nos micros directement. Et ce que je disais, c'est que les outils peuvent beaucoup de choses et pas tous. C'est bien via nos échanges, parfois vos oppositions, souvent constructives, hélas pas encore tous, qu'on pourra faire avancer notre ville. Merci. Bien. Je reprends la parole. Donc, c'est des installations nouvelles qu'on a dû mettre en place parce que les installations précédentes devenaient obsolètes. C'est du filaire et on avait beaucoup de casses, donc on a mis en place ce nouveau système. Alors je vous demande juste que quand vous prenez la parole, bien appuyer sur le bouton, parce qu'en fait c'est votre, c'est suite au micro qui serait bien retransmis sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est très important. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire quand même avant d'entamer ce conseil municipal. On ne s'est pas vu depuis le 1er juillet, donc c'est quand même beaucoup de choses. Donc dans l'ordre, je vais quand même au nom de tous féliciter Laurie Padier, en responsable de l'événementiel, pour tout le travail qu'elle a mené pour Estival Saint-Pierre durant l'été, les food trucks, Estival Saint-Pierre, les cinémas, la festivité, notre fête de la ville. Pour une fois, on avait enfin une fête de la ville qui n'était pas mélangée avec un forum, on avait notre fête à nous. Donc, félicitations, bravo, merci. Et puis aussi à votre capacité, Madame Padier, à réagir aux événements climatiques et de prendre les bonnes décisions. Bien sûr, j'intègre dans ces remerciements nos équipes techniques pour le formidable travail qu'ils ont fait. Donc Marianne, Jacquet, je vous demande de transmettre à vos équipes tous les remerciements que l'on leur doit. Remercier également, alors j'ai quelques remerciements parce que je pense que c'est important aussi de remercier le travail des élus et de les faciliter. Gaëtan Stanichit, avec toute ton équipe de la commission écologie, pour la magnifique fête du développement durable que vous avez réussi à mettre en place. Félicitations, bravo. C'était une belle journée. Et je note qu'à travers ces deux événements, enfin la fête, le vide-grenier, encore aussi félicitations sur le vide-grenier qui a beaucoup plu à tout le monde, on a trouvé deux endroits sur notre commune pour faire des animations, c'est-à-dire le Mail, derrière le miroir d'eau, dans le parc François Mitterrand, et puis l'avenue Suzanne Lenglen, le bout de l'avenue Suzanne Lenglen, qui est un endroit très agréable pour tous, sans gêner la population et sans gêner la circulation. Je voulais remercier bien sûr l'agglomération GPS pour l'Aglo Fun Tour. Vous savez qu'on a pu profiter de cette année des équipements de l'Aglo Fun Tour. Hein, c'est tout un ensemble d'équipements, de jeux pour enfants. Et j'insiste là-dessus car c'est un entente entre tous les maires de l'agglomération pour partager ces équipements de ville en ville tous les ans. Je vais laisser la parole à quelques élus pour nous parler, entre autres à Lisbeth Co, pour parler de la rentrée, hein, pour vous parler de l'ouverture, puisqu'il y a aussi l'ouverture de la rentrée scolaire. Donc je laisserai un mot à Lisbeth Co. Et je voudrais aussi rappeler un événement important pour notre commune, c'est l'ouverture du groupe scolaire Saint-Exupéry, un magnifique groupe scolaire. Donc je voudrais rappeler que ce groupe scolaire a été financé par l'État, entièrement par l'État, par l'EPA, dans le cadre de la Ville Nouvelle, en contrepartie du nombre de logements, de la construction de logements. C'est l'EPA qui a financé et c'est GPS qui a assuré la construction, comme à l'époque le SAN le faisait pour l'école, ce 4 saisons, le parc des sports, etc. Ce qui est à retenir quand même, c'est que ce groupe scolaire a été géré par trois équipes municipales successives, et c'est important au niveau de l'entente républicaine, dans l'intérêt de la population. Tout d'abord, l'équipe de Pierre de Russe, auquel je pense, et avec un petit mot pour Hubert Reynaud, qui était l'adjoint au scolaire à l'époque, qui a déposé le fondement et le cahier des charges de cette école. Ensuite, l'équipe de Madame Lico, qui a assuré le suivi des travaux en définissant sa marque sur un ensemble d'équipements. Et notre équipe, avec Lisbeth Co, adjointe au scolaire, qui a fait un travail formidable pour assurer la finalisation et la livraison. C'est principalement du temps humain qu'on a investi dans cette école, mais en aucun cas on a sorti un centime, et je pense que c'est très très bien. Dans cette école a été prévue une salle polyvalente, à destination des temps périscolaires et du temps scolaire pour les enfants, mais également le soir et le week-end, pour notre monde associatif et les habitants. Et pour cette salle, nous sommes heureux et malheureux dans un sens,
Mais avec l'accord de la famille, nous avons nommé cette salle la salle Alain Coster, en mémoire, en souvenir de cet homme que nous avons tous bien connu et qui était un ardent défenseur de l'intérêt de l'enfant. Alors bien sûr, dans cette école, j'avais noté un oubli, c'est qu'il n'avait pas été pensé lors de la construction au 1% culturel. Vous savez que dans le principe des constructions de ce type, on a toujours le principe du 1% culturel, c'est le titre. En général, on prévoit 1% du montant du budget pour une observation culturelle de manière à intégrer l'art et la culture dans un bâtiment, que ce soit une école, un parc des sports ou autre. Donc ce principe de réserve n'a pas été intégré, donc on va se rattraper, puisque j'ai demandé à la directrice de l'école et aux enseignants de réfléchir à une œuvre qu'ils vont mettre en place. Ce qu'on a demandé, c'est d'y représenter la laïcité avec les valeurs de la République. Voilà. D'autres sujets, je vais laisser aussi la parole tout à l'heure à Liliane pour nous parler de la sécurité, qui est un sujet majeur pour nous. Alors beaucoup me disent, Saint-Pierre, ça va, c'est calme. Non, il faut faire très attention, il faut être vigilant sur notre commune. Nous avons actuellement 7 policiers municipaux, avec l'arrivée de notre nouveau chef PM. Une réunion publique est prévue en février, je vous donne aussi quelques informations, en février 2022, pour parler de ce sujet majeur pour nous tous. Et Liliane vous dira un mot tout à l'heure. Je laisserai également la parole à Jean Wilbert pour nous parler du Conseil municipal des jeunes. D'autres élus également interviendront. Salia, je voudrais vous dire un mot sur la semaine bleue. Fabienne Tournoux sur Reims. Je pense que c'est important que dans ce conseil municipal, au-delà de l'ordre du jour, on puisse vous informer de ce qui se passe sur notre commune. Avant de laisser la parole à Lisbeth Côte, deux choses encore importantes. Cette année, l'organisation de la cérémonie du 11 novembre sera gérée par Salim Atakan, qui va reprendre les fonctions de correspondant défense laissées par Armel Rouzier. Et j'en profite pour remercier Armel, bien sûr, pour tout le travail qu'elle fait actuellement auprès des associations d'anciens combattants. Salim Atakan, qui va également intégrer dans son escarcelle la lutte contre la discrimination, contre les discriminations, sujet auquel nous sommes tous très, très attachés. Autre changement, pas majeur, mais je vous en informe, Jean-Pierre Janodi, qui a une charge de travail très importante avec le travail sur le cadre de vie, mais également sur le comité de fleurissement, m'a demandé de le décharger de sa fonction de délégué au CIREDOM. Alors le CIREDOM, vous savez tous ce que c'est, j'espère, c'est notre syndicat intercommunal qui gère les déchets. Sujet majeur dans les années à venir, je vais vous en parler dans un instant, et qui va nous impacter au quotidien. Donc j'ai donc demandé à Jean-Pierre Avelan de prendre cette charge qu'il a acceptée. Il ne faut pas croire que c'est juste une charge simple. La gestion des déchets va être, dans les années qui viennent, un sujet majeur dans notre environnement. Et donc on compte sur vous, sur toi, parce qu'on se tutoie, hein, Jean-Pierre, pour défendre nos intérêts et puis surtout nous remonter les explications de comment vont gérer les déchets demain dans notre quotidien, mais également dans son coût. Autre sujet majeur qui va nous impacter dans les sujets à venir, et je prends quelques minutes pour en parler, c'est la gestion de l'eau, le cycle de l'eau. On pense peut-être que ce n'est peut-être pas important, mais il faut bien savoir que dans les années qui viennent, l'eau va devenir de plus en plus rare et les événements extrêmes de plus en plus fréquents. Sur notre territoire, si on prend rien que notre territoire, nous avons dû supporter 2 crues de Seine en 2016 et en 2018, des épisodes caniculaires en 2018, 2019, 2020. Et chacun de ces événements climatiques importants ont des impacts très négatif, très sérieux, sur l'ensemble de nos cours d'eau, mais également sur la biodiversité. Donc il y a un mot que je vais vous citer, que vous allez entendre de plus en plus, qu'il faut intégrer dans votre vocabulaire maintenant, c'est la GEMAPI. GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et de la protection et de la prévention des inondations. Ça a été mis en place par l'État en 2010, suite à la tempête Xynthia, qui avait fait une cinquantaine de morts en France. C'était une compétence de l'État qui a transféré cette compétence à l'agglomération en 2018. Donc c'est l'agglomération GPS qui gère aujourd'hui tout cet ensemble de gestion des milieux aquatiques et de la protection, de la prévention, pardon, j'y arriverai pas, sur les milieux des inondations. Nous avons sur notre territoire plusieurs rues. Ce qu'on appelle un rue, c'est un cours d'eau. Hein. Ce n'est pas une rue, c'est un cours d'eau. Le rue, ça s'appelle RU, rue des Préaux, rue des Balleries, rue des Halles, rue de l'Écoute, ainsi que des plans d'eau, des masses humides. Et la gestion de cet ensemble est réalisée directement par la communauté d'agglomération. Ça correspond à, je vous donne quelques exemples de ce que ça fait, c'est l'entretien des berges, des ripisylves, pour ceux qui maîtrisent le sujet, c'est les milieux boisés dans les cours d'eau, donc les enlèvements d'embâcles, les léagages, la réceptacle de la végétation, la restauration morphologique et entretien du lit mineur, l'entretien, la gestion et la surveillance des ouvrages de protection existants contre les inondations,
définition, gestion, régularisation des systèmes d'endiguement, les études et travaux neufs sur l'implantation de nouveaux ouvrages, actions en matière de restauration de la continuité écologique, de restauration morphologique et de renaturation des cours d'eau. Je vous en passe. Une réunion publique est prévue en 2022 sur le sujet. L'agglomération a aujourd'hui voté le principe d'une taxe sur la GEMAPI, puisque ça coûte de plus en plus cher, et je vous en parlerai de plus en plus souvent, puisque à GPS, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. C'est Philippe Riault, le maire de Grigny, qui porte le principe de ce sujet-là, et nous avons des réunions publiques sur le sujet dans les semaines qui vont venir. Voilà. Mais notez ce nom GEMAPI, ça va devenir de plus en plus important dans notre discours. Pour le déroulé de la soirée, je vais laisser la parole à quelques élus pour qui parlent de leur domaine, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Nous passerons ensuite à l'ordre du jour, et puis les questions diverses, bien sûr. Les internautes peuvent poser des questions, et nous y répondrons avec plaisir. Voilà, je vais laisser un mot à Lisbeth Co pour nous parler de la rentrée. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc, concernant la rentrée des classes, nous sommes très contents parce que tout s'est bien passé. L'ouverture tant attendue de l'école Saint-Exupéry avec la création d'une cinquième classe a eu lieu pour la rentrée grâce aux équipes qui ont œuvré tout l'été pour que tout soit prêt et donc je les en remercie beaucoup. Nous avons obtenu le maintien de la neuvième classe à l'école élémentaire Anne-Franck et la réouverture de la cinquième classe à l'école maternelle Manureva. Pour l'école maternelle Manureva, la fermeture était actée par l'académie et à force de faire pression, nous avons obtenu un comptage de rentrée. Nous avons donc jusqu'au dernier jour travaillé sur nos chiffres pour avoir les effectifs partout afin que nos classes ne puissent pas être fermées. Nous avons donc une classe de plus que l'année précédente sur la commune, soit 56 classes pour 1418 élèves. L'année dernière, nous avions 55 classes pour 1433 élèves. Cela fait donc baisser les moyennes par classe et elles varient de 24,6 à 25,9 élèves selon les écoles. Ce qui fait des chiffres tout à fait acceptables et confortables pour les enseignants pour pouvoir faire travailler correctement les enfants, puisqu'on sait tous que travailler dans des classes surchargées est particulièrement difficile. Nous avons également une classe ULIS avec 10 élèves et une classe IEM avec 8 élèves. Nous allons d'ailleurs travailler prochainement avec la classe ULIS pour mettre en place des projets. Donc voilà pour la rentrée des classes et nous sommes très contents que tout se soit bien passé. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Liliane pour nous parler un petit mot de la sécurité. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je me permets d'utiliser ce conseil municipal pour vous informer, chers collègues, que nous sommes en train d'officialiser notre soutien à la plateforme Voisins Vigilants et Solidaires. Donc la municipalité va devenir elle-même une mairie vigilante. Nous en sommes au stade de l'intronisation administrative et du paramétrage. Donc, lorsque le process va progresser, vous en serez tenu informé. Alors pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue Madior, les outils peuvent beaucoup de choses, mais pas tout. Mais il est certain qu'une plateforme sollicitée par les citoyens, qui est déjà nourrie par l'inscription de plusieurs Saint-Péréens, le relais d'informations qui pourrait être utile à des patrouilles de service général de la police municipale sera toujours bon à prendre. Voilà, je vous remercie. Merci. Il faut bien comprendre qu'avec Liliane, le travail que fait Liliane auprès de la PM est très important. La sécurité, pour nous, c'est un sujet majeur. Même si on pense qu'on est calme, on n'est pas si calme que ça. Il faut être, faut assurer la prévention et le voisin vigilant va peut-être nous permettre effectivement d'une part de créer un lien social entre différents riverains. Il y aura des systèmes de panneaux qui seront à l'entrée de la ville pour indiquer qu'on sera voisin vigilant, des systèmes de flocage des boîtes aux lettres pour indiquer qui sera voisin vigilant et qui ne le sera pas, et de manière à faire beaucoup de communication sur ce sujet-là pour faire comprendre à éventuellement les quelques délinquants qui voudraient agir sur notre commune, mais connaissent, sachent que nous avons un réseau d'informations. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine déjà de personnes qui sont intégrées dans ce réseau voisin vigilant. Ça sera géré par une personne de l'extérieur qui sera en relation avec nous. Et donc, on va mettre ça en place au 1er janvier, je vous prie de m'excuser, parce qu'on va le passer sur le budget 2022, disons, décidément.
Et donc, c'est très important pour nous. La police municipale sera renforcée. On est 7 aujourd'hui, avec un nouveau chef qui a des idées bien définies, avec des changements d'horaire, des surprises un peu que vous aurez au fur et à mesure, de manière à ce que on puisse être beaucoup plus présent sur le terrain. Voilà. Mais retenir que c'est la sécurité est un sujet majeur pour nous. Je voudrais que Will nous donne un petit mot, Monsieur Jean Wilbert, sur les CMJ, le Conseil municipal des jeunes. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et toutes. Donc, je vous fais un petit point sur le CMJ qu'on va mettre en place cette année. Donc, il s'agit du Conseil municipal des jeunes. Donc, ce sera pour les jeunes de 11 à 14 ans. Et ce sera les collégiens. Donc, qui débutera. Alors, qui débutera exactement la campagne de recrutement le 8 novembre. Donc, ça concernera tous les élèves de Saint-Pierre-du-Péray, le collège Camille Claudel, et aussi les élèves qui sont dans d'autres collèges, mais qui habitent Saint-Pierre. Donc, on va dire qu'il y aura un résultat qui va être défini au mois de décembre, ou au mois des futurs électeurs, qui pourra décider sur les futurs projets pour la jeunesse, pour la ville de Saint-Pierre-du-Péray. Donc, je pourrais aussi vous dire qu'on a aussi le chantier citoyen qui commence du 25 octobre au 29 octobre. 12 jeunes sont inscrits à l'heure actuelle pour débuter ce chantier citoyen. Donc, il y a d'autres projets qui sont en cours, hein, mais on vous en parlera au fur et à mesure. Et pour tous celles et ceux qui veulent prendre connaissance de ce CMJ, je verrai avec mes collègues qui puissent vous transmettre par mail les documents pour vous expliquer en détail comment ça va se dérouler. Je vous remercie à vous tous. Toutes. Il y a un contrat également de ce fait sur le CMJ et une petite documentation. Donc c'est une campagne électorale. Hein. Chaque jeune va se présenter auprès de ses collègues et il y aura un vote le 8 décembre, hein, si je ne me trompe pas. Hein, Will, le 8 décembre, il y aura... Mathieu, il y a des personnes dans le public qui veulent venir. Il y aura un vote, une classique, avec bulletin de vote, avec carte d'électeur, avec dépouillement, le 8 décembre. Voilà. On va continuer un peu le tour de table, parce que je pense que c'est important que chacun s'exprime sur les actions qu'il mène pour la commune, hein, puisqu'on ne s'est pas vu il y a un certain temps. Salia, si tu pouvais nous faire un petit retour sur la semaine bleue, sachant que Fabienne nous dira un petit mot sur Reims. Écoutez, effectivement, sur la semaine bleue, donc il y a eu pas mal d'activités, hein, notamment tout ce qui est atelier mémoire, sophrologie, ça s'est très très bien terminé. On a eu des retours très très positifs sur cette semaine. On a terminé effectivement par une animation de danse brésilienne avec un petit goûter qui a été conçu par la faculté des métiers d'Evry, hein, qui nous ont fait cette jolie proposition en tout cas. Ça a été un beau final et puis on a eu, toutes les personnes en tout cas qui ont assisté à cette semaine ont été très satisfaites du programme qui avait été proposé. Donc je remercie énormément les agents qui se sont occupés de ce projet parce qu'elles se sont réellement investies pour vraiment faire en sorte que tous les seniors passent une excellente semaine sur cette période. Voilà, donc effectivement, et puis après nous avons aussi le voyage de Reims. Je ne sais pas où est ma collègue qui a... Même. Voilà. Donc, elle va vous raconter sa journée. En tout cas, nous, on a passé une excellente journée hier, hein, puisqu'on est rentré hier soir. Tout le monde a été extrêmement satisfait de la proposition qui a été faite sur cette organisation de la journée. Voilà. Merci. Je laisse ma collègue terminer pour qu'elle raconte aussi sa journée à elle, hein, également. Merci, Salia. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant cette journée qui a été organisée sur 2 semaines, c'est-à-dire le 12 et le 19 octobre, en tout, il y avait à peu près 90 seniors. Moi, j'ai participé à la première sortie, donc le 12. Pour cette journée, tous les seniors ont été emballés.
Mis à part, on a eu un petit retard à cause de travaux sur la nationale. Donc, le déroulé, nous sommes partis à 7 heures le matin. Nous sommes arrivés sur Reims pour aller visiter la fabrique des gâteaux de Reims, les fameux gâteaux roses, les gâteaux fosiers. Bonne balade avec des personnes qui ont vraiment bien joué le jeu, qui ont été très intéressées sur la fabrication de ces gâteaux, qui datent de 1646, si je ne me trompe. Après, ben, il était déjà tard, donc nous avons déjeuné à, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est à connaître, c'est une brasserie qui s'appelle L'Apostrophe, qui est très renommée à Reims. On y mange très, très bien. Et un service, pour, on était 45, vraiment impeccable. Nous avons continué la journée par la visite de la cathédrale de Reims, une visite guidée avec deux guides qui ont pu nous expliquer en détail la vie de la cathédrale, la vie des couronnements des différents rois. Et c'était vraiment très intéressant. Et puis, nous avons fini par la visite des caves de Champagne-Pommerie. Alors là, c'était top pour tout le monde. Avec les 144 marches à descendre et à remonter. 116. Mais voilà, nous sommes rentrés, il était 20h30, mais après une bonne visite, les seniors étaient super emballés, très satisfaits. À bientôt. On espère qu'on va refaire ce genre de sortie parce qu'ils étaient vraiment bien, bien emballés. Très bien. Donc voilà, rapidement. Merci beaucoup. Alors, pour la petite anecdote par rapport à L'Apostrophe, le fameux restaurant, oui. c'est une ancienne imprimerie, semblerait-il que c'est la plus vieille de France, puisque le restaurant a été installé dans une ancienne imprimerie. C'est pour ça qu'il y a un étage au-dessus. Voilà, il y a la machine qui est au-dessus, tout à fait. Ouais. Bien, je rebondis sur notre partenariat avec la Faculté des métiers d'Evry, qui est très importante pour nous, et je vais laisser la parole à Riyad pour nous parler du forum de l'alternance qui a eu lieu ces dernières semaines. Et qui a été bénéfique. Merci, monsieur le maire. Ça a été bénéfique, effectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais enlever le masque. Voilà, nous connaissons tous les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos étudiants pour trouver notamment des entreprises, voire même aussi des formations. Et dans ce cadre, nous avons mis en place notre premier forum sur l'alternance qui a eu lieu le mois dernier. Avec des partenaires, comme vous l'avez cité, monsieur le maire, la faculté des métiers d'Evry, ainsi que notamment la mission locale de Moissy-Cramayel, lieu saint, entre autres. On a touché 32 personnes, 32 jeunes étudiants qui ont été reçus et orientés. Et je tiens aussi particulièrement à remercier nos services de la mairie qui ont fait que cet événement a pu se réaliser. Très bien, merci. Encore deux petites interventions que je souhaite que soient faites. Shakir Farizi pour nous parler des rencontres de quartier. La démocratie implicative, vous m'entendez ? Merci. Il faut bien parler au micro pour qu'on vous entende bien. Alors, je vais enlever le masque. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Oui, alors la démocratie implicative donc, s'articule pour le moment autour donc, des rencontres de quartier qui fonctionnent très bien. Sur le mode de marche exploratoire avec les habitants pour aller voir... Donc, au plus près du terrain, leurs préoccupations. C'est très apprécié, ce nouveau mode opératoire. Donc, bien évidemment, on tirera les conclusions avec la commission démocratie implicative pour pouvoir, bien évidemment, les améliorer à l'avenir. On en a fait 10. Il en reste 4, notamment le quartier Villa Pastel, Ville de Don, Saint-Exupéry et Green Park. Voilà. Pour ce qui est du conseil participatif pôle commercial, donc il a été lancé. Et normalement, le comité de pilotage devrait se réunir au mois de novembre. Donc la démarche participative est engagée. Et nous réfléchissons pour 2022 à la mise en place d'un forum citoyen autour de la ZAC de Villeray, qu'on espère aussi monter pour recueillir et faire participer et co-construire avec les habitants la vision sur cette future zone. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Merci Shakir. Et après, je vais laisser la parole à ma première adjointe, Annick, pour nous parler un peu d'avenir cette fois et des programmes de la fin de l'année.
Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc je vais d'abord revenir sur le spectacle de cirque et les ateliers de cirque qui ont été proposés le 18 septembre dernier lors de la fête du développement durable. Donc c'est grâce à un partenariat que nous avons noué avec le théâtre de Sénart depuis déjà l'année dernière. Donc ce partenariat est piloté par Catherine Perret de la médiathèque que je remercie. Et donc je précise que c'est une opération gratuite pour nous et c'est le gage de proposer un spectacle de grande qualité. Donc j'espère que et nous allons poursuivre ce partenariat l'année prochaine avec le théâtre de Sénart. Autrement, la saison culturelle a heureusement repris. Alors avec dans la salle Jean Villard des propositions théâtrales, des propositions musicales qui vont bientôt arriver et je vous conseille de suivre l'agenda sur l'application de la ville et la page Facebook. Également des ateliers pendant les vacances à la médiathèque, des spectacles aussi, des lectures-spectacles à la médiathèque. Et très bientôt, le 31 octobre, donc nous avons une soirée Halloween qui va se dérouler au centre de loisirs Manureva. Et donc c'est un projet en partenariat avec des associations. Alors je vais les citer parce que je les remercie vivement pour leur participation. Donc les associations de parents d'élèves APAR et CPS, Asgard, qui est une association de jeux de plateau et qui va proposer un escape game lors de cette soirée, le Poney Club de Saint-Pierre, le Volley Club de Saint-Pierre et Lire et Faire Lire. Et puis évidemment nos services de la municipalité participent également à cette soirée avec le centre de loisirs, le service jeunesse et puis les services techniques bien sûr qui sont en appui ainsi que le service culturel. Donc vous pouvez retrouver toutes les activités entièrement gratuites qui seront proposées lors de cette soirée sur le site de la mairie, la page Facebook. La diffusion de cette information a été faite cet après-midi via Carte Plus. Et je crois que ça rencontre déjà beaucoup de succès puisqu'il y a des réservations qui doivent être faites pour certains ateliers. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et puis je vous souhaite à tous de vous divertir et de sortir à Saint-Pierre. Merci. Très bien. Donc on va attaquer l'ordre du jour. C'est important pour nous ces moments d'information auprès de vous tous parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites sur Saint-Pierre. Il est important de temps en temps de refaire le point et de voir comment, bien sûr, on peut encore améliorer, mais c'est important également de citer tout ce qui a été fait, et de remercier, bien sûr, les services de la mairie. Les services, bien sûr, je remercie la DGS, Aline Sordon, qui nous gère tout ça de main de maître. Remercier encore Marianne Jacquet et ses équipes. Mais je pense aussi à Audrey Bossard pour l'aspect du scolaire, puisqu'ils ont fait un travail formidable pour la rentrée scolaire Saint-Exupéry. Juste pour une petite idée, hein, Saint-Exupéry, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, mais il faudra peut-être que vous fassiez un jour, c'est que quand vous faites le tour, enfin, ils faisaient quasiment 14 km par jour, ils avaient compté, lors de l'installation, de la finalisation, parce que c'est tellement grand que ça faisait quasiment 14 km par jour. Voilà, donc je les remercie, non pas pour les 14 km, mais pour tout le travail qu'ils font pour nous, pour nos enfants, et pour que tout se passe bien dans notre commune. Je vais passer à l'appel, voilà. Donc la fois prochaine, je pense qu'on aura un outil qui nous permettra de simplifier aussi cette partie-là. Madure nous réserve encore une petite surprise. Donc Dominique Véraud, il est présent. Lisbeth Co. Riyad Attic. Présent. Annick Viguier. Présent. Shakir Farizi. Présent. Nathalie Ratier. Présent. Jean-Pierre Janodi a donné le pouvoir à Riyad Attic. On a une pensée pour Jean-Pierre ce soir. Muriel de Chichagari. Présent. André Garnier. Présent. Liliane Barreros. Présente. Salia Ouazani Ibrahimi. Mag Dior Dieng, pardon. Présent. Salima Takan. Maxime Klein, présent. Sujita Mutukumaru, présent. Jean Wilbert, présent. Laurie Padier, présent. Michael Ganem a donné pouvoir à Laurie Padier, Armel Rousier a donné pouvoir à Salim Atakan, Franck Olivier Kanako, présent. Rokaya Nyang, présent. Nicolas Toison a donné pouvoir à Madior Dieng, et Benjamin Bilan a donné pouvoir à Dominique Véraud, Fabienne Tournou, présent. Nadège Meptoul, Jean-Pierre Avelan, Virginie de Bérieux a donné pouvoir à Nadège Meptoul, Bruno Turco, Catherine Alicoviala, Pierre Blantier a donné pouvoir à Madame Alicoviala, Fabienne Banquet, Gaëtan Stanichi et Annick Dijben.
Je propose un peu d'autorité que le secrétaire de séance soit Lisbeth Co, si ça ne dérange pas. Très bien. Nous vous soumettons le procès verbal du 1er juillet. Y avait-il des remarques? Pas de remarques? Il est donc adopté à l'unanimité. Je passe aux informations prises par le maire. Alors, je ne vais peut-être pas toutes vous les citer parce qu'il y en a, elles sont nombreuses. Je vais citer celles qui me paraissent importantes. La première, c'est pour les prix, peut vous paraître surprenant, mais c'est les prix. Décision d'une relative à la signature d'un contrat de location pour une durée d'un mois d'une balayeuse pour un montant de 6 816 euros, qui est à relier avec la décision 2021-64. Non, attendez, je ne dise pas de bêtises, il faut que je la retrouve. Oui, c'est ça, la 2021-65, qui est la prolongation de cette location pour une semaine pour un montant de 1 824,01 €. Ensuite, nous avons acheté un logiciel qui s'appelle Adelis, pour une solution de gestion de la masse salariale, qui va nous permettre en fait, de faire des extrapolations sur, en fonction des avancements de grade, des avancements de points, pour un montant de 3 312 € TTC. Nous avons deux nouveaux professionnels de santé qui s'installent à la maison de santé, donc un ostéopathe pour un montant annuel de loyer de 4 284 €. Et nous avons également une thérapeute qui s'installe pour un montant de 4 704 € annuel de loyer. Ensuite, vous avez quelques informations, je ne vais peut-être pas y passer sur les food trucks, hein, c'était quasiment c'est gratuit. Hein. Nous avons une demande relative de demande de subvention départementale au titre des acteurs essonniens un été jeune en Essonne. J'attendrai vos questions, mais je passe sur celles qui vous paraissent peut-être importantes. La BOXI, décision relative à l'occupation privative du domaine public, emplacement d'un mini market type BOXI situé 2 avenue des Jasmins pour un montant de redevance annuelle de 1 000 €. La même chose pour l'espace coin du lac pour un montant. Il est où ? Coin du lac, je ne le trouve pas. Pour un montant de 600 €. Ensuite, c'est des contrats de cession avec différentes organisations théâtrales. Et puis, vous avez tout un ensemble de lots de bail. Hein, c'est ce qu'on appelle des baux avec des différentes sociétés pour tout ce qui concerne les bâtiments. Donc, nous avons une décision relative, je vais les lire parce que c'est important tout de même. Décision relative à la signature du marché pour le bail de travaux d'entretien des bâtiments et installations de la ville de Saint-Pierre-du-Perret pour le lot 1. Donc, travaux de maçonnerie, plâtrie, cloison sèche et revêtement scellé avec la société CMO pour un montant, donc c'est un marché à bon de commande, hein, donc ça veut dire qu'on pioche en fonction du besoin et qui va de 1 million à 1 million 2, mais c'est du classique. Hein. Ensuite, on a le lot 2 pour les travaux de revêtement des sols souples et sols coulés avec la société Les Peintures Parisiennes pour un montant entre 700 000 et 840 000 euros TTC. Le lot 3, peinture ravalement avec la société CMO pour un montant de marché entre 700 000 et 840 000 euros. Un lot 4 pour la plomberie sanitaire ventilation avec la société Idéal Plomberie pour un montant entre 750 000 et 900 000 euros. Un lot 5, électricité courant fort, courant faible, avec la société Cofima pour un montant entre 700 000 et 840 000 euros. Un travaux de désamiantage, lot 6, avec la société Avenir de Déconstruction pour un montant qui va de 200 000 à 240 000 euros. Un lot 7, menuiserie, bois, charpente, cloison amovible avec la société CMO pour un montant de 400 à 480 000 euros. Et un lot 8, serrurerie, acier, alu, menuiserie et volets avec la société Alpha Metal pour un montant de 450 000 à 540 000 euros TTC. Et en fait, un lot 9 avec la société CMO pour un montant de 400 à 480 000 euros. Donc, ce sont des bailleurs, hein, ça veut dire qu'on fait appel à eux, c'est ce qu'on appelle un marché à bon de commande. Et pour être tout à fait complet, nous aurons bientôt un nouveau marché à bon de commande sur tous nos entretiens de voirie. Aujourd'hui, nous fonctionnons sur un bail qui a été voté sur le mandat précédent avec la société STRF et le marché va être mis en place d'ici peu. Voilà. Ensuite, sur les autres informations, quoi vous dire, décision de passer un contrat avec la société Zebro Next Door pour un spectacle de musique brésilien dans le cadre de la Semaine Bleue hein, pour 380 euros et c'était gratuit pour les seniors. Et puis après, bon, la signature du prêt souscrit auprès de l'établissement bancaire pour 550 000 euros qui était prévu au budget primitif. Voilà, après j'attends si vous avez des questions particulières sur ces décisions, s'il y a un sujet qui vous interpelle, je pensais vous donner pour moi les plus importantes. Y avait-il des questions sur ces décisions ? Oui, Mme Dijben.
fait, je voulais revenir sur, sur la décision, je ne sais plus quel numéro elle a, mais c'est sur la Voxy. Donc, ça, on a une redevance annuelle de Voxy, enfin de l'entreprise. Et combien ça nous a coûté de l'avoir implantée à cet endroit, à la mairie? Parce que là, c'est une redevance qu'ils nous doivent pour encore une année. Mais combien ça nous a coûté de la placer? 12 000 euros. 12 000 D'accord. Et l'électricité est payée sur le coût de la redevance annuelle. D'accord. Et je peux faire une petite intervention à propos de cette Voxy? Je vous en prie. Donc, en fait, c'était une réflexion que je me suis faite. Après vous avoir entendu sur tous les événements qui se sont passés à Saint-Pierre-du-Perret, et où j'adhère totalement. Mais pour la Voxy, c'est une autre histoire, parce que depuis quelque temps, nous avons la chance d'accueillir à Saint-Pierre-du-Perret un nouveau concept de magasin de proximité. Ça ressemble à un container, ce qui est normal puisque c'en est un, rouge, brillant de mille feux, jour et nuit. Il est posé provisoirement ou pas devant l'ancienne mairie. Ça s'appelle un Voxy. Et procure à tous ceux qui ont téléchargé l'application de pouvoir y pénétrer et d'accéder ainsi à un choix de 300 références indispensables. Vous choisissez les produits et Voxy s'occupe de tout. Il enregistre tout ce que vous faites, comme prendre un produit ou le remettre. À la fin, il sait exactement ce que vous avez pris et le montant sera directement prélevé sur votre smartphone, par votre smartphone. On peut s'interroger sur quelques points. La pertinence, puisqu'il se trouve à proximité de plusieurs magasins d'alimentation. L'emplacement qui n'a fait l'objet d'aucune concertation. Et pourtant, on avait, quelque temps avant, fait une rencontre de quartier, etc. Et à aucun moment, on a exprimé aux habitants du quartier qu'il y aurait un Voxy dans leur quartier. L'évolution vers un commerce sans personnel, puisqu'il est entièrement automatisé et donc ne crée aucun emploi. Le choix des références privilégiant les produits transformés et favorisant une alimentation rapide et déséquilibrée, ce qu'on appelle, en expression un peu, la malbouffe. Ne parlons pas des déchets, puisqu'on nous assure que tous les utilisateurs les mettent dans la poubelle qui est située à côté. Nous ne nions pas que ce dispositif puisse rendre des services, mais nous nous interrogeons sur la pertinence de l'emplacement et de la réponse à un besoin réel de vrais commerces de proximité, avec des vrais gens qui vous accueillent et vous proposent des produits de qualité. On parle de sobriété aujourd'hui, de sobriété énergétique pour la population. La commune devrait donner l'exemple. Et ce genre de réalisation ne s'inscrit pas dans cette exigence inévitable. Prenons garde à cette modernité qui nous isole. Voilà, c'était ma réflexion sur le Voxy. Très bien. Juste quelques éléments de réponse, mais c'est pas l'objet. Hein. Déjà, la Voxy, je l'ai expliqué, hein, c'est un test. On fera le bilan au bout de 6 mois et on en tirera les conséquences. Ça, c'est le premier point et je confirme ce soir que c'est toujours un test et qu'au bout de 6 mois, on en décidera la suite. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur démarrage sur les 48 Voxy qui sont installés en France. Alors la société Voxy ne souhaite pas qu'on diffuse les chiffres aujourd'hui, mais les chiffres que j'ai pu voir démontrent que ça répond à un besoin, un réel besoin. Après 20 heures, principalement l'utilisation de cette Voxy, c'est souvent après 20 heures. Mais il faut bien comprendre que c'est un appoint, on ne fait pas ses courses à la Voxy, hein, je veux dire, c'est un appoint. Je vous raconte juste une anecdote, qui est la mienne. Je quittais GPS un soir à 23h30, parce que les réunions de GPS le mardi soir sont toujours très très longues, Et j'ai souvenir que j'avais pas de pain pour le lendemain matin. Ma compagne m'avait prévenu qu'on n'avait pas de pain, j'avais oublié le pain. Ben, je suis passé à 23h30, 23h45 à la Voxy, ben, j'ai pu prendre, et voilà, ça m'a bien dépanné. Et je pense que ça dépanne un petit peu tout le monde. Maintenant, on fera un bilan dans 6 mois et on en tirera toutes les conséquences. Voilà. Mais faut aussi comprendre que ça répond à un besoin. Des gens de Green Park qui m'ont dit c'est bien, des gens qui me disent que c'est bien. On fait des points réguliers avec les riverains aussi. Il faut savoir qu'on a rencontré avec Michael Ganem dernièrement des riverains qui habitent, je crois que c'est les villas Jasmin, voilà, les villas Jasmin, qui étaient assez contre au départ. Bon, aujourd'hui, il y a peu de nuisances. Moi, j'y passe souvent, je démarre très tôt le matin, donc j'y passe le matin, il n'y a pas beaucoup de déchets, il n'y a pas de déchets, puisque la poubelle est toujours pleine, effectivement, mais il n'y a pas de nuisances par rapport
aux riverains, puisqu'on a baissé la lumière. Avant, la lumière allait directement chez les riverains. Aujourd'hui, on l'a baissée. Et quand vous y allez en pleine nuit, je vous invite à y aller en sortant d'ici tout à l'heure, ce n'est pas plus nuisible qu'un candélabre. Voilà. Et Boxy, on les a rencontrés et ils imaginent, on leur a demandé de commencer à réfléchir à des circuits courts, de mettre des produits en circuit court et non pas effectivement des produits qu'on pourrait appeler malbouffe, mais qui dépannent bien tout le monde. Voilà, c'est le sujet sur la Boxy, mais nous en parlerons en janvier, février, quand nous aurons le bilan des 6 premiers mois. Voilà. Oui, pardon. Oui, juste une intervention par rapport à cette Boxy. Bon, il est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre donc cet été. Bon, maintenant, quand on regarde, c'est vrai que l'expérience mérite d'être tentée, à mon avis, hein, c'est donc un avis personnel, mais tout simplement parce que quand on voit où elle est implantée, il est évident que personne ne prendra l'initiative, s'il y avait un local, de monter un commerce avec des employés, parce que là, on peut pas, comment dire, on ne peut pas estimer qu'il y a un très fort donc potentiel pour faire vivre un commerce donc en dur et avec du personnel. Donc maintenant, l'initiative, elle a peut-être été un petit peu rapide, un petit peu maladroite, mais ce qui compte, c'est de voir effectivement avec les chiffres qui vont être fournis par la société Boxy, si ce point de vente est rentable ou pas. S'il est rentable, ça veut dire que tout simplement, eh bien, donc les Saint-Péréens y trouvent leur intérêt, et peut-être que même ça permettrait, en cas de très très forte affluence, peut-être de se poser la question plus tard, est-ce que ça mériterait l'implantation d'un commerce pérenne, et ça pourrait donner peut-être la possibilité à ce moment-là à un entrepreneur d'entreprendre quelque chose. Voilà. Donc, on peut penser que c'est pas joli, mais enfin, je rappelle qu'au Havre, il y a une sculpture avec une cinquantaine de containers qui avait été créée pour une manière éphémère, et ce sont les Havrais qui ont réclamé à ce que les containers soient donc pérennisés tellement que c'est joli dans la ville. Donc c'est pas un container à Saint-Pierre-du-Péray, surtout que c'est un 20 pieds, donc c'est les plus petits containers qui donc vont défigurer la ville, d'autant qu'on peut l'enlever aussi vite qu'on l'a mis. Voilà. Donc en résumé. Pourquoi effectivement donc ne pas tenter l'expérience et voir si ça permettrait peut-être plus tard de pérenniser un commerce, et à ce moment-là donc on aurait tout gagné. Très bien. Sur les décisions du. Oui, pardon. Il y avait d'autres interventions, Nadine Jemet, c'est. Pardon. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais faire une remarque par rapport au fait de stocker des denrées en dessous de la maison médicale. Bon, déjà, là, on parle de denrées non périssables, vous l'avez précisé, mais dans d'autres cas, en fait, il a été stocké des denrées périssables. Et je sais que les professionnels de santé s'en plaignaient, quoi, en fait. Certains professionnels de santé s'en plaignaient parce qu'il pouvait y avoir des odeurs. Et je pense d'une manière générale que c'est quelque chose qui peut poser un problème au niveau de la sécurité. Alors, j'ai rien contre les associations diverses et variées qui y sont, hein, je veux dire, c'est pas, je vise personne en particulier, mais des risques d'incendie ou autres qui pourraient provenir de cet entreposage, quoi, en fait. Donc le mélange des genres me paraît pas une bonne chose, mais voilà, je voulais en faire la remarque. Hein, je sais pas qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça. Très bien, donc pour que tout le monde soit au courant, hein, si des fois vous n'étiez pas informé, j'ai passé rapidement sur ces deux décisions que j'ai prises, qui étaient une convention de partenariat avec nos associations de solidarité, pour qu'ils puissent utiliser donc, l'association Abeilles Solidaires et l'association Solidaire et l'association Fésia, je vous imaginez par là, d'un jour hein, peut-être, hein, on ne sait jamais. Et donc on avait autorisé ces associations parce qu'ils ont beaucoup de matériel. Vous savez qu'on leur a mis à disposition un local qui se trouve le local qui est rue du Commerce, mais avec toutes les denrées alimentaires qu'ils récupèrent, la place ne leur suffisait pas. Donc on leur a proposé d'entreposer au sous-sol du SAN qui n'est pas du tout utilisé ni par les médecins ni par personne. Alors il est vrai, et là je vous rejoins, qu'à une époque on avait proposé à notre association que nous aimons bien les vergers, d'entreposer leur récolte de pommes et de poires, et que ça avait provoqué effectivement des problèmes d'odeur, parce que c'était des denrées périssables. Là, dans cette convention, on a des assurances hein, auprès de ces différentes associations qui maintenant entreposent des denrées non périssables, et nous sommes très, 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 très prudents sur ces sujets-là.
On a aussi vu ça avec l'accord des médecins, je les ai prévenus, on les a rencontrés avec Salia, puisqu'on fait des rencontres maintenant périodiques avec les médecins pour voir les problèmes qu'ils rencontrent, etc. On les a informés de la situation, ça ne leur a pas posé de problème tant que ce n'était pas périssable, justement, pour pas qu'il y ait le problème d'odeur. Mais sur les denrées qui y sont aujourd'hui, ça ne pose aucun souci. La maison médicale est maintenant assurée, donc je pense que ça ne pose pas de problème particulier, mais on est très prudent sur ce sujet-là. On fait très attention avec nos différents collègues associatifs pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais je veux dire, on a la chance d'avoir trois associations solidaires qui se mobilisent fortement pour quelques familles de notre commune. Je crois qu'il faut qu'on les aide. On les aide avec nos moyens. On leur met à disposition des locaux, pardon, je vous prie de m'excuser. Et donc je pense qu'on devrait s'en féliciter tout en restant prudent, comme vous dites, sur les denrées qui y sont entreposées. Voilà. Ça répond à votre question, Madame Banquet ? Merci, bonsoir. Moi, c'était par rapport aux... Ça marche pas ? Si. C'était par rapport aux manifestations, aux réunions de quartier, etc. Moi, je suis obligée d'aller sur le Facebook de la mairie. Je n'ai pas Facebook, donc il y a des fois, on ne peut pas, parce que j'ai demandé à la secrétaire du maire, à Madame Desserves, d'avoir un planning comme on avait jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas s'il y a des problèmes de mail, parce qu'il y a des mails, par exemple, les mails de la commission démocratie implicative, je ne les ai pas. Il doit y avoir un problème. Et on n'a toujours pas de planning à ce jour. Il m'a été dit que ça devait être Monsieur Bouchet qui devait nous le faire, et on n'a pas de planning. Donc, il y a des manifestations. On n'est même pas au courant. On apprend par la suite que ça a eu lieu. Mais nous, en tant qu'élus, on ne peut même pas y participer parce qu'on n'a pas eu l'information. D'accord. Donc oui, on est en train de régler les problèmes de vos adresses mail. Vous avez tous une adresse mail SCDP, SCDP 1 Saint-Pierre-du-Perret. Donc on est en train de régler ces derniers petits problèmes techniques parce qu'on avait un serveur, on a un nouvel informaticien. Hein, je pense que je vous ai présenté Jean-François qui est ici, qui est notre nouvel informaticien et qui va remettre tout ça d'aplat. On avait un serveur qui était un peu obsolète. Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit quoi ? J'ai dit une bêtise ? Non, il se marre derrière moi, en général, c'est que j'ai dit une bêtise. Donc, on est en train de revoir le serveur informatique parce qu'on était un peu limité en termes d'adresse. Donc, on va vous résoudre votre problème d'adresse mail, ça c'est clair. Concernant le planning, on va essayer d'y travailler un petit peu. On travaille beaucoup sur l'application SCDP. Pour nous, on voudrait centraliser, on voudrait aller de plus en plus vers le numérique et de moins en moins vers le papier. Mais je comprends aussi le besoin que vous avez. Et donc, on va mettre ça en place Mais on doit souvent s'adapter en fonction des conditions climatiques. Mais on va essayer de sortir un planning au moins sur le trimestre. D'accord ? Et donc, par contre... Oui, justement, sur le Facebook, j'ai vu qu'il y avait normalement une rencontre de quartier avec la rue de la Montagne du Perret. Est-ce qu'elle a eu lieu ? Parce qu'il n'y avait pas de date précise. J'habite rue de la Montagne du Perret, mais j'ai pas eu d'information. Non, c'était la rue Pasteur, la rue de la Montagne du Perret. Non, là, dans le planning, dans l'agenda du maire, il y avait rencontre avec les habitants de la rue de la Montagne du Perret. Donc c'est passé, c'est pas passé. Non, c'était que des platanes la première. Deuxième, c'était Pasteur. Ah non, non, c'est autre chose. C'est que moi j'ai rencontré. Les habitants, parce qu'il y a une délégation d'habitants de la Montagne du Perret qui sont venus voir pour des problèmes de sécurité. Non, mais c'est dommage, moi j'y habite, je ne suis pas au courant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des habitants qui m'ont sollicité un entretien auprès de moi, qui sont venus à une quinzaine, qui s'étaient mis d'accord entre eux pour venir me voir. Mais ce n'était pas une rencontre de quartier telle qu'on l'entend, telle que Shakir l'organise, où on se promène un samedi matin dans le quartier. Là, ouais. C'est une délégation, c'est sur mon agenda que vous avez dû voir ça. Ouais. Bah, c'est une délégation de riverains de Saint-Pierre-du-Perret, de la Montagne du Perret, qui sont venus me voir. Pour me parler d'un problème de sécurité, de vitesse excessive sur la descente de la Montagne du Perret. Mais ce n'est pas une rencontre de quartier telle qu'on l'entend. Oui, enfin, c'est dommage qu'en tant qu'habitant de la rue de la Montagne du Perret, c'est pareil, il y a eu une rencontre rue des Vignes. Moi, je suis particulièrement impactée par les habitants de la rue des Vignes et je n'ai même pas été informée non plus. Tous les habitants de la rue de Montagne du Perret, pas que moi. Hein. Alors, je précise juste comment ça se passe. Il y a les rencontres de quartier qu'organise Shakir Farizi dans le cadre de ces 14 rencontres de quartier qu'il a définies. D'accord ? Et ensuite, j'ai des riverains qui m'appellent pour me demander de venir voir un problème particulier sur une rue. La Montagne du Perret, j'ai une quinzaine de riverains de la Montagne du Perret dans la descente qui sont venus me voir quand on sollicite un entretien. Mais je ne vais pas, quand on sollicite un entretien, je ne vais pas prévenir tout le long de la rue parce que je ne connais pas le sujet.
Donc, ça, c'est des riverains qui viennent me voir. Pour la rue des Vignes, c'est les riverains qui habitent tout en bas de la rue des Vignes, d'accord, qui sont venus me voir, parce que si vous allez tout en bas de la rue des Vignes, vous avez dû voir qu'il y a un problème de chaussée qui est en train de se morceler. Les habitants d'ailleurs sont venus m'en parler et j'ai téléphoné à Madame Dussert pour qu'ils puissent être reçus parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Alors je ne sais pas, mais moi j'étais sur le place. Donc cet après-midi. Au courant, mais je ne savais pas la date. Cet après-midi, il y a eu un constat de. Alors j'ai été plusieurs fois parce que toute la journée je me promène dans Saint-Pierre. J'ai été plusieurs fois rue des Vignes. J'ai vu Monsieur le Marchand, j'ai vu le nouveau propriétaire qui a acheté une maison tout en bas. Cet après-midi, donc, on a fait un travail de. Cet après-midi, il y a eu un huissier qui a fait un constat, parce qu'en fait, le problème, pour que tout le monde soit au courant, donc rue des Vignes, je ne sais pas si vous voyez tous où se trouve rue des Vignes, hein, c'est dans le vieux bourg. C'est une rue qui est en descente. Je la connais bien puisque c'est là où habite Hubert Reynaud. Par exemple, vous ne savez peut-être pas, mais il y a aussi des gens rue des Vignes qui vendent leur maison, qui sont venus me voir pour des aménagements particuliers parce qu'ils vendent leur maison. Mais je ne pense pas que vous soyez au courant de tous les gens qui viennent me voir de la rue des Vignes. Enfin, on n'est pas au courant de grand-chose. Voilà. Bon. Donc, on a fait un constat d'huissier parce que des travaux ont été faits dans cette rue il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on s'interroge si c'est le coteau qui bouge ou si c'est les travaux qui ont été mal faits. Donc, on est en relation avec la société qui a fait les travaux il y a 4 ans, parce que là, il y a vraiment des gros problèmes tout en bas de la rue des Vignes. Hein. Il y avait un monsieur qui ne peut quasiment pas sortir de son parking parce que le trottoir est complètement... ça a surélevé quasiment le béton. Donc, on a fait un constat d'huissier aujourd'hui, et on va faire des travaux avec notre bailleur, STRF actuellement, pour au moins raboter pour que les personnes puissent sortir de leur parking. Et on va voir comment on fait pour refaire peut-être entièrement la rue des Vignes, vu dans l'état où elle est aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a un problème aussi avec le camion poubelle aussi qui... Le camion poubelle, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réunions de Shakir Farizi dans le cadre des rencontres de quartier, et il y a les rencontres que je fais avec les riverains directs qui m'appellent pour demander de venir sur place pour un ou deux riverains. Mais c'est dommage qu'on ne soit pas informé, parce qu'on pourrait éventuellement profiter de cette réunion, les autres habitants de la rue qui ont un peu les mêmes... Parce que rue de la Montagne du Perret, la descente, même si on habite en haut de la rue de la, s'il vous plaît, la Montagne une du Perret, on subit aussi les problèmes que ça... Si je peux me permettre, Mme Roguet, à chaque fois qu'un riverain m'appelle pour un problème, et il m'appelle beaucoup, je passe quasiment au moins 2 heures par jour avec un riverain sur Saint-Pierre-du-Perret, je ne vais pas avertir toute la rue que je vois tel ou tel riverain. Cet après-midi, j'étais rue Maryse-Bastier avec un riverain. Je ne vais pas approfondir toute la rue de Maryse-Bastier parce que je vois quelqu'un de la rue Maryse-Bastier pour un problème de sécurité. Je vois des gens qui m'appellent, je viens auprès d'eux, mais je ne vais pas avertir toute la rue que je rencontre telle ou telle personne sur un problème de sécurité ou un problème de voisinage. Non, je ne vous ai pas dit de faire revenir toute la rue, mais éventuellement que les conseillers municipaux, on soit au courant de ce genre de réunion. C'est bien. Tu veux faire un complément, Shakir ? Oui, concernant les rencontres de quartier, donc celle-ci, en fait, il y a un canal d'information qui est le Saint-Pierre Mag. Donc, dans le Saint-Pierre Mag, il y a les dates des prochaines rencontres de quartier. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi on le met pas sur Facebook ? C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu que si on mettait l'information sur Facebook, tout le monde va se sentir concerné et en fait, il y a des gens qui ne sont pas en fait du quartier qui vont venir à la rencontre de quartier. Donc le choix qui a été fait, c'est un ciblage par distribution d'un tract spécifique au quartier que nous allons donc visiter et faire la marche exploratoire. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose, qui a été posée en commission avec les collègues, c'est de se dire comment on fait un retour d'information par rapport à ce qui a été soulevé par les habitants et quelle réponse on apporte par rapport aux sollicitations qu'ils nous ont émises. Donc là, on va réfléchir sur comment on revient vers eux, en plus du Saint-Pierre Mag, qui reste succinct comme information de retour, pour pouvoir soit avoir sur le site internet de la ville, une fois qu'il sera opérationnel, une rubrique démocratie locale où on intégrera ces histoires de rencontres de quartier avec le retour fait aux habitants, pour qu'ils ne se posent pas la question de dire bah voilà, ils sont passés, mais aujourd'hui on n'a aucun retour de leur part, et donc de pouvoir avoir cette information-là en se connectant au site. Mais on ne touchera pas tout le monde. Donc l'idée, voilà, c'est ciblage et retour d'information, et ça, c'est des travaux de la commission prochaine sur comment on fait ce retour d'information. Voilà. Merci. Très bien. Bonjour à
Oui, on va peut-être passer à l'ordre du jour parce que... Juste une précision, parce oui. que pour les élus qui ont un problème avec l'adresse mail, je voulais dire simplement que moi, je faisais partie des personnes qui recevaient absolument rien sur l'adresse donc dédiée. J'ai été voir M. Cardinali, il m'a réglé le problème. Donc, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut aller voir M. Cardinali. Voilà. Voilà. Donc, moi, si tous les élus qui rencontrent un problème, parce que c'est quand même la première fois dans cette municipalité qu'on offre des adresses mail à tout le monde. Opposition, partenaire, minorité, majorité, tout ce que vous voulez, à tout le monde, de manière à ce que tout le monde ait une adresse STDP. Donc, il faut juste le temps peut-être que de se mettre en place. Mais on avait un problème de serveur qui était relativement obsolète et on a remis un petit peu tout ça d'aplomb. S'il n'y a plus de questions sur le sujet, des décisions prises par le maire, je vais laisser la parole à André Garnier pour nous parler du budget supplémentaire. Je précise juste qu'un budget supplémentaire, c'est un... un budget supplémentaire n'est pas un budget qui change les choses. C'est un budget d'ajustement par rapport au budget primitif, puisque au budget primitif voté en mars, on ne peut pas connaître toutes les rentrées d'argent. C'est comme pour bien vous compreniez que l'année prochaine, on votera le budget primitif en janvier. Donc il est clair qu'on aura des ajustements tout au long de l'année. Monsieur Garnier, je vous laisse la parole. Pardon. Merci, merci. Ça marche ? Oui. Merci, monsieur le maire, et bonsoir, chers collègues. Donc, je vais vous proposer la présentation du budget supplémentaire 2021. En préambule, je dirais que globalement, en ce qui concerne le budget 2021, il s'est articulé sur quatre éléments essentiels. Le premier, c'est l'apurement du passé. Le deuxième, c'est assurer l'avenir de l'équilibre budgétaire pour les années suivantes, de répondre aux demandes des habitants et d'assurer une meilleure efficacité par une réorganisation de l'ensemble des services municipaux auprès de la population. Voilà, c'était juste un aparté sur quel est le budget 2021 dans ces grandes lignes. Comment ? Plus près ? Bon, alors je vais mettre plus près. Donc, comme l'a dit monsieur le maire, le budget supplémentaire est en fait un budget d'ajustement qui permet de prendre en compte des éléments nouveaux qui sont intervenus entre le vote du budget primitif et le vote du budget supplémentaire et d'affecter, après réception du compte administratif, les résultats de l'exercice précédent. Au niveau de la globalité des chiffres. Sur le budget de fonctionnement, on constate une augmentation tant en dépenses qu'en recettes de 393 389,39 euros et en budget d'investissement, une augmentation tant en recettes qu'en dépenses de 1 108 459,17 euros. Et je vais vous présenter les éléments principaux qui ont impacté chacun des chapitres concernés par ce budget supplémentaire. En fonctionnement, le résultat du fonctionnement reporté, le compte administratif 2019 a fait apparaître un déficit de fonctionnement de 332 172 euros. Donc, on a affecté en dépenses ce déficit de l'exercice précédent. Les charges à caractère général augmentent de 394 684,94 euros. Il est important de préciser que ces charges à caractère général sont impactées à hauteur de 85% du report de dépenses constaté par la Chambre régionale des comptes et qui avait été mis dans le budget initial à hauteur de 334 820 dans les charges exceptionnelles. Donc, il s'agit en réalité non pas d'une augmentation de 394 000, mais à hauteur de 334 000 euros, il s'agit d'un transfert de chapitre où on passe du chapitre 67 au chapitre 11, puisqu'on a réaffecté les dépenses dans chacun de leurs chapitres correspondants. Ce qui veut dire que l'augmentation du chapitre 11 dans la réalité, est de 59 864 euros. Les charges nouvelles, c'est 59 864 euros.
ce qui représente, par rapport au budget primitif, une augmentation de 1,63%. Est-ce que j'ai été clair? Voilà. Le reste des éléments qui ont impacté ce chapitre 11, pour les principaux postes, c'est l'augmentation du coût des nettoyages des logements municipaux, notamment en raison des obligations supplémentaires que nous avons vues dans le cadre de la crise Covid, pour lesquelles nous avions espéré qu'elles prendraient fin en septembre 2021. Or, il s'avère que malheureusement, les obligations liées à la crise Covid vont continuer au moins jusqu'en 31 décembre 2021. Donc, nous avons réaffecté ce trimestre, ces 4 mois supplémentaires de coûts supplémentaires dans le cadre du budget au niveau de ces charges. Des charges nouvelles en matière d'assurance. En matière d'assurance, il y a les nouvelles acquisitions, l'assurance des nouvelles acquisitions, le nouveau CTM, l'école Saint-Exupéry, et la régularisation de plusieurs bâtiments anciens qui n'étaient pas assurés en 2020. La maison médicalisée, l'ancien CTM, le clubhouse de Villeray. Donc, ceci a généré un coût supplémentaire de l'ordre de 27 000 euros pour mettre à jour, sur 2020, l'ensemble, l'assurance de l'ensemble du patrimoine et des bâtiments patrimoniaux de la commune. Une augmentation générale des coûts de fourniture et d'équipement en ce qui concerne la propreté voirie. C'est dû à la politique volontariste en matière de propreté de la commune, que tout et chacun peut constater aujourd'hui. La prise en charge de maintenance informatique sur des logiciels et des matériels anciens, parce que nous avions du matériel, mais qui ne faisait pas l'objet de contrats de maintenance. Donc, si on n'assurait pas la maintenance, c'était des outils qui, à très court terme, devenaient plus utiles et inadaptés. L'augmentation des honoraires pour des contentieux nouveaux ou anciens non soldés. A contrario, nous avons diminué le budget des fêtes et cérémonies par rapport au budget primitif de 14 000 euros. C'est-à-dire que, là aussi, je félicite ma collègue Laurie, c'est-à-dire qu'on a organisé beaucoup de manifestations, toujours dans le souci du coût et de l'économie, ce qui nous a permis d'économiser 14 000 euros sur l'ensemble de ces postes. 2 000 euros de moins sur le budget réception et 10 000 euros de moins sur les frais d'actes et des contentieux que nous avions en cours et sur lesquels il y avait des risques et sur lesquels des négociations amiables ont permis de diminuer à hauteur de 10 000 euros le coût. Voilà pour le chapitre 11. Est-ce qu'il y a des questions ? Que vous nous avez apporté, M. Garnier, à savoir que donc vous nous confirmez qu'on avait bien un bout du patrimoine et un bout de patrimoine assez conséquent, puisque ce sont des investissements donc immobiliers qui n'étaient pas assurés sur 2020. Monsieur Blanc, que 3 bâtiments en tout cas n'étaient pas assurés au titre de l'exercice 2020 quand nous avons pris nos fonctions en juillet. De là, il faut donc louer le sort qui nous a été favorable, puisque si on avait eu donc un dommage, un incendie sur un bâtiment qui nous appartenait, on avait donc 1 million d'euros, voire davantage, puisqu'il y a plusieurs bâtiments qui partaient en fumée et sur lesquels on n'était pas du tout assuré. Et sur les risques à la personne aussi. Très bien. Donc les personnes qui sont là donc, et qui donnent des leçons, donc, y compris dans des tracts, dans nos boîtes aux lettres, devraient effectivement prendre acte de leur insuffisance et être un peu plus modeste dans leur critique. Merci. Oui. Oui, je voudrais intervenir par rapport à ça parce que donc j'avais mis en destinataire justement M. Garnier et M. Hatti qui me l'avaient demandé lors de la commission la copie de l'attestation d'assurance du CTM. Parce que, bon, par hasard, je l'avais dans mes mails, quoi, en fait, je l'avais reçue par mail. Et donc, cette attestation d'assurance, il est faux de dire que le CTM
de la rue Clément Ader n'était pas assurée, puisque j'avais l'attestation de la SMAC. Et cette attestation, vous pouvez la retrouver sur mon site ou sur ma page Facebook. Donc, si elle était assurée en 2019, elle devait être assurée en 2020, parce qu'en général, une assurance, elle ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. En général, il y a une tacite reconduction, et je ne pense pas que les services à l'époque aient demandé d'arrêter à ce que ce soit assuré. Voilà. Par rapport, en fait, aux autres éléments, je n'en ai pas la preuve, mais de la même manière, en fait, on faisait confiance aux services pour assurer les bâtiments. Et voilà, je mets vraiment en doute, sachant que là, c'est faux, je mets vraiment en doute que pour les autres bâtiments, il n'ait pas été assuré. Et c'est quelque chose qui vraiment vient salir moi-même, mes équipes et le personnel qui était là à ce moment-là. Et je ne laisserai pas dire ça parce que c'est faux. C'est faux. Bien. Donc, si Madame Lico, je vais me permettre de vous répondre. Tout d'abord, je vous donne acte d'avoir reçu un peu tardivement, parce qu'on l'attendait depuis quelque temps déjà, ce document-là. Ça faisait deux ou trois conseils où vous aviez dit que vous alliez l'envoyer, mais on l'a reçu. Donc, à la suite de ça, effectivement, on s'est assuré de ce que l'on disait. Donc, on a pris contact avec l'assureur. On a recherché, effectivement, dans un certain nombre de dossiers. Donc, ici, j'ai un mail de la MACSF, qui date du 11 juin 2021. Vous étiez en fonction, je pense. Non, 2020. Non, oui. 2020. Sur lequel ne figure pas, en termes de bâtiments assurés, le CTM, la maison médicalisée et le clubhouse de Villeray. Alors, ce qui s'est passé, Madame Elie. Donc, je vous parle de 2020, quand nous avons pris nos fonctions. En juillet 2020, Madame Alico, le CTM, la maison médicalisée, le clubhouse de Villeray n'étaient pas assurés. Et ils ont été assurés par nos soins le 29 juillet 2021. Ce qui s'est passé. Écoutez, Madame Alico, je ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Je suis quelqu'un de factuel. Je vous donne des éléments factuels. En juillet 2020, après, laissez-moi terminer, si vous voulez bien. En juillet 2020, ces bâtiments-là n'étaient pas assurés. Ce qui s'est passé, je vais vous dire ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. C'est que le contrat de marché avec l'assureur était à échéance du 31 décembre 2019. D'accord ? Que les documents ont été fournis pour l'étude avant le 31 décembre 2019. Et que lorsqu'on a renouvelé le contrat de marché avec la MACSF, on a renouvelé le contrat de marché sur les bases anciennes, sans intégrer le CTM, la maison médicalisée et le clubhouse de Villeray. En tout cas, Madame Alico, ce que je vous dis, c'est que en juillet 2020, il n'y était pas, et nous en avons la confirmation de la MACSF. Maintenant, vous pouvez vous approcher, si vous le souhaitez, de la MACSF. Moi, je reste sur des faits. Ce qui me permet de dire, Madame Alico, et là, je vais rentrer dans la polémique, c'est que quand on fait un poste sur ce sujet, en traitant le maire de menteur, alors que la réalité est tout autre, on devrait s'excuser. J'ai, je,
Oui, ben, il n'a pas menti, il n'a pas menti, puisque ce n'était pas assuré. Excusez-moi. Ben, clairement, moi j'ai... Eh ben, en 2020, vous n'avez pas... En 2020, vous n'avez pas... En 2019. Mais quand vous avez... Bien. Bien. Allez. Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vois pas bien la différence. Bon, la nuance est un peu compliquée, mais au-delà de ça, on va pas y passer la nuit. On doit finir le BS. Moi, ce que je vous propose, Madame Alicot, c'est de vous rapprocher des services pour essayer de comprendre ce que vient d'expliquer Monsieur Garnier. Je pense que c'est une histoire de marché où on a pris un document pour faire le nouveau marché en prenant un ancien document qui n'intégrait pas ce document-là. Voilà, je ne pense pas qu'il faille chercher polémique envers vous. Voilà, mais on ne cherche pas de polémique vis-à-vis de vous, Madame Alicot. On fait un constat, mais on n'est pas là pour vous accuser de quoi que ce soit. On fait un constat. Maintenant, si vous voulez, mais je veux bien que vous prenez. Bien, je veux. Donc j'accepterai avec plaisir vos excuses, si vous le voulez bien, parce que j'ai pas lu votre poste, parce que je lis plus vos postes, mais j'accepterai vos excuses si vous le voulez bien, parce que vous m'avez traité de menteur. Monsieur Turcot, vous vouliez dire un mot, non? Oui, Monsieur Turcot, vous voulez dire Monsieur Garnier a répondu entre-temps à la question que j'avais posée, en l'occurrence... Est-ce que je peux finir? Merci. Ouais. Et en l'occurrence, serait-il possible de demander à l'assureur qui édite un document qui ferait que la polémique se... Non, mais comme quoi ces bâtiments n'étaient pas assurés en 2020. Voilà. Voilà. Oui, mais c'est un document qui date de 2019. Vous étiez en fonction. Il était de votre responsabilité de faire en sorte que... Mais bien. Madame, il y a des vies en jeu. Il aurait pu se produire des choses... Bon, Dieu merci, ça ne s'est pas passé. Ouais, ouais. Voilà. Donc oui, je vous propose... Stop, on va continuer, s'il vous plaît. Monsieur Garnier. Je vous propose de continuer. On va continuer, voilà. Supplémentaire. Mais juste un mot, simplement pour dire simplement qu'effectivement, pas de polémique, mais en attendant, s'il y avait eu un sinistre, on perdait 2 millions d'euros sur un bâtiment et on perdait 1,2 million sur l'autre. Il faut que Saint-Périen prenne acte. Alors, je renouvelle ma proposition, Madame Alicot, si vous voulez avoir plus de renseignements, rapprochez-vous du cabinet pour voir comment ça peut se passer. Et je précise que j'accepterai encore une fois vos excuses. Monsieur Garnier. Il y a un deuxième chapitre important concernant les dépenses de fonctionnement, ce sont les charges de personnel, le chapitre 12, qui augmente dans leur globalité de 61 700 euros par rapport au budget primitif. Les éléments qui ont influé sur cette augmentation de 61 700 euros, c'est d'une part, à compter du 1er octobre, l'augmentation du SMIC à hauteur de plus 2,2% qui a eu automatiquement un effet mécanique, notamment sur la grille de la fonction publique et notamment sur les plus bas salaires. Puisqu'un fonctionnaire ne peut pas être payé en dessous du SMIC. Donc il y a eu une répercussion sur l'ensemble de la grille qui est passée d'un salaire minimum de 1554 euros à 1589 euros et ça concerne un certain nombre de collaborateurs qui a généré une augmentation du minimum de la grille de la fonction publique. L'indice minimum de l'indice qui a été majoré de 309 à 340, donc c'est une augmentation qui est sensible. La provision d'une somme de 16 500 euros pour faire face à notre part théorique ou envisagée dans le cadre de la mise en place du centre de vaccination de Saint-Germain, le centre de dépistage, pardon, de Saint-Germain-les-Corbeil, puisque vous savez que ce centre de dépistage est un centre... Hein, vaccination.
pouvez se faire vacciner. Oui, oui, vacciner. Non. Ouais. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc qui était une opération intercommunale. Et donc nous avons, nous devons régler à la commune de Saint-Germain notre quote-part de participation sur les frais engendrés, que nous avons estimé à 16 500 euros en dépenses, sachant qu'une partie, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas quand, nous sera remboursée par l'ARS. Mais en tout cas, on a une dépense immédiate estimée à 16 500 euros et un remboursement qui interviendra quand et pour combien par l'ARS. Nous, on n'a pas encore les éléments de cette partie-là. La prise en charge en régie du ménage de l'école Saint-Exupéry, où on a embauché un équivalent temps plein, il y a trois personnes qui font le ménage, qui correspondent à un équivalent temps plein, qu'on n'a pas pu intégrer dans le contrat de nettoyage en cours avec l'entreprise de nettoyage, parce que les termes du contrat font que, si on avait demandé l'intervention de la société de nettoyage avec un avenant au contrat, ça nous coûtait trois fois plus cher que l'embauche à temps partiel de trois personnes pour un équivalent temps plein. Ça ne marche pas ? Certains événements de carrière non prévisibles, le supplément familial de traitement, c'est-à-dire c'est un supplément familial lorsqu'il y a une augmentation de la famille, donc ils ont une majoration de leur traitement, des retours d'activité à temps plein, des gens qui étaient à temps partiel qui sont revenus à temps plein, qu'on ne peut pas, c'est eux qui décident, hein, donc on ne peut pas déterminer, et certaines prolongations d'activité. Et puis le surencadrement, là encore en termes de personnel, notamment au niveau des activités scolaires et périscolaires, dues au protocole sanitaire dans le cadre de la crise Covid, de la même manière qu'on avait espéré se terminer au 30 septembre, mais que nous avons dû reporter au 31 décembre et intégrer ces 4 mois supplémentaires. La majoration par rapport au budget primitif, c'est 61 700 euros, c'est 0,95% de majoration par rapport au budget primitif. Donc on n'a pas explosé les chiffres, hein, 0,95%. Le chapitre 65 sur les autres charges de gestion courante, à hauteur de 8 182 euros, c'est des hébergements de logiciels en matière de finances et de marché public qu'on a mis en place. On avait besoin de ces outils pour que les services financiers et marché public soient efficients par rapport à effectivement faire des opérations en conformité avec l'intérêt général. La dotation, l'article 68, les dotations aux provisions semi-budgétaires, à moins 72 229,95 euros. Nous avions constitué des provisions sur des risques de non-paiement, des créances dues dans le cadre du périscolaire, vous savez, dans la cantine, le centre de loisirs. Il y a toujours malheureusement des personnes qui ont des créances à cet égard et on avait provisionné également des risques de loyers impayés sur des biens immobiliers appartenant à la mairie. Donc on est en mesure de baisser cette provision d'une part parce que sur un des deux loyers impayés, on a récupéré, on le retrouvera après, mais de l'ordre de 27 000 euros. Donc, on l'avait provisionné, mais on les a récupérés. Et grâce à la mise en place d'une collaboration étroite entre le comptable du Trésor et nos services, et l'accompagnement pour les personnes le plus en difficulté avec le CCAS, on a permis à un certain nombre de personnes, en les aidant sur le plan social, en leur donnant des solutions, de réduire ces impayés, ce qui nous permet de diminuer ces provisions à hauteur de 72 000 euros. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Est-ce que j'ai été clair ? Y a-t-il des questions ? Non ? Merci. Concernant les recettes, sur le chapitre 13, donc les recettes de fonctionnement, sur le chapitre 13, les atténuations de charges, on a augmenté ce poste de 7 614 euros. Les atténuations de charges, en fait, c'est essentiellement les remboursements par les prestataires sociaux
des maladies, des absences, de ce genre de choses. Donc, on a reçu un peu plus que ce qu'on avait envisagé en remboursement des organismes sociaux gérant les arrêts maladie, notamment. Sur le chapitre 70, le produit des services, là, on a une baisse de 41 427,42 €. C'est-à-dire qu'on a reçu moins de recettes du périscolaire, de la cantine que l'on avait espéré. Une raison essentielle, là encore, le Covid, qui a fait que on a eu moins de prestations à servir, donc on a moins de recettes. Des remboursements importants au niveau de l'EMS, l'école municipale des sports, et de l'école municipale artistique, qui représentent à tous les deux un manque à gagner de 8 000 €, puisque les enfants n'ont pas pu participer pendant cette période-là, donc on ne les a pas fait payer, alors qu'on avait anticipé des recettes au début de l'exercice. Et la prise en compte de la réforme des grilles tarifaires à partir de septembre, de septembre en janvier, au niveau là aussi des centres de loisirs et de la cantine, sur la période septembre-décembre 2021. Sur le chapitre 76, impôts et taxes, là on a des bonnes surprises. Pour une fois, on a encaissé quasiment 365 000 euros de plus que prévu. Sur les impôts directs, c'est-à-dire les impôts directs, c'est les taxes foncières et éventuellement d'habitation pour ceux qui en payent encore. On a une recette supplémentaire de l'ordre de 180 000 euros par rapport à ce qu'on avait budgété. Nous avons reçu, à notre grande surprise, 138 480 euros du fonds de la péréquation urbaine, alors que l'année dernière, on avait dû recevoir 25 000 euros. L'État, cette année, nous verse 138 000. Donc, le fonds de péréquation urbaine, c'est quoi? Ce sont la participation des communes dites riches en faveur des communes dites moins riches. Donc, à ce titre-là, nous avons reçu 138 000 euros de plus. Nous avons reçu aussi 45 000 euros au titre de la taxe sur les enseignes électriques. Alors, on n'a pas reçu 45 000 euros. En année pleine, c'est une taxe qui rapporte à peu près entre 5 000 et 6 000 euros. Mais on s'est aperçu que dans les comptes du comptable du Trésor, il y avait une somme en attente qui n'avait pas été affectée depuis des années. Donc on s'est dit, profitons-en, récupérons cette somme, donc, qui permet d'avoir cette augmentation à hauteur de 45 000 euros sur les impôts et taxes. Des questions ? Sur le chapitre 74, dotation et participation, plus 37 105 euros. Alors, de la même manière, on a reçu 58 244 euros au titre de la rétrocession de la taxe foncière sur les entreprises, la taxe départementale, qu'on n'avait pas prévue. Je rappelle qu'au titre de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, nous percevons maintenant la part départementale de la taxe foncière et également la part départementale de la taxe du foncier sur les entreprises, qui fait qu'on a réintégré ces 58 000 euros. La CAF, au titre des activités, nous a reversé un peu plus que prévu, à hauteur de 16 000 euros. A contrario, la dotation globale de fonctionnement, c'est ce que reverse l'État tous les ans aux communes, elle a baissé de 15 000 euros. D'un côté, il nous verse 138 000 euros en plus, et de l'autre côté, il nous enlève 15 000 euros. En toute sincérité, on n'a pas d'explication. Celui qui est capable de me dire comment l'État calcule, notamment la DGF, je le remercie de me l'informer. Ce qui veut dire que, voilà, au total, une baisse de la compensation de la taxe professionnelle qui a baissé aussi à hauteur de 32 000 euros. D'un côté, on a 138 000 de mieux, de l'autre côté, on a 47 000 de moins de la part de l'État. Des questions ? Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, plus 26 206 euros. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la récupération du loyer impayé
d'un des locataires d'un de nos biens qui avait énormément de loyers à payer et qui a régularisé cette situation. Voilà pour le budget de fonctionnement. Y a-t-il des questions ? Merci. Non, parce qu'il me fait marrer depuis tout à l'heure avec vous. Y a-t-il des questions ? Juste pour préciser que... Non, mais c'est bien, parce que juste pour préciser que la commission finance a eu lieu, que les questions qu'on avait à poser ont été posées à ce moment-là, et que les réponses qui devaient nous y être apportées y ont été faites. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ça fait l'impression que... Merci Gaëtan. Sur le budget d'investissement, donc qui est en augmentation de 1 108 459 euros en recettes et en dépenses. Dans le détail, le chapitre 20, immobilisation corporelle, on est à moins 5 000 euros. C'est juste une écriture comptable de reclassement d'une mauvaise affectation à une autre affectation. C'est-à-dire qu'on avait affecté 5 000 euros à ce chapitre-là, alors qu'il devait être affecté à un autre chapitre. On le retrouvera après. Et on le retrouve au chapitre 21, où on a affecté les 5 000 euros d'un côté, et on a diminué d'un côté pour augmenter de l'autre, et puis à hauteur de 168 000 euros, essentiellement, ce sont les travaux d'électrification de la place de la Liberté, sur lequel qui nous permettent aujourd'hui d'organiser des manifestations et un certain nombre de choses au service de tout le monde. Donc, c'est essentiellement ces travaux d'électrification de la place de la Liberté. Dans le chapitre 23, immobilisation en cours, 157 226,97 euros de plus. C'est la fin de la facturation des travaux de la toiture de Anne Frank. Anne Frank, il y a eu des travaux importants qui ont été faits, qui avaient été budgétés pour un certain montant. Et on s'est aperçu, lors des travaux, que les dégâts constatés initialement, et entre le temps où ils avaient été constatés et aujourd'hui, étaient beaucoup plus importants. Et quand on laisse se dégrader quelque chose, ben ça coûte plus cher plus tard, et qu'on a dû augmenter le marché de Anne Frank pour que l'ensemble des travaux soient en conformité avec les besoins de ce groupe scolaire. Et puis, des travaux divers de la voirie, notamment, on a eu un hiver qui a été particulièrement un peu plus dur que les autres, et on s'est aperçu que dans certaines rues, des trous c'était creusé, des crevasses s'étaient faites, et qu'il fallait, moi j'habite rue Didier Pironi, ça donne dans l'avenue Alain Colas, et effectivement, pour ceux qui l'apprenaient, à la fin de l'hiver, avenue Alain Colas, c'était plus un trou, c'était un gouffre. Donc il a bien fallu intervenir sur un ensemble de travaux urgents comme celui-ci. Concernant les recettes d'investissement, nous avons le solde d'investissement reporté de l'année dernière. C'est une opération purement comptable. Les produits de cession d'immobilisation où nous avons diminué le produit envisagé à hauteur de 302 000 euros par rapport à des biens que nous envisageons de vendre, nous pensions vendre au cours de l'exercice 2021, mais dont la réalisation va être décalée. C'est le clubhouse du golfe de Villeray qui s'intègre dans le cadre d'une opération beaucoup plus globale en termes de rénovation de ce golfe. Et aujourd'hui, on est encore en phase de discussion et de négociation. Donc, il n'a pas pu se réaliser sur l'exercice. Un bien situé 10 rue Manurévar, hauteur de 150 000, mais dont les discussions sont en cours. Voilà, il y a quelques problèmes juste administratifs et de délai, mais ça risque de ne pas se faire sur 2021. Comment ? Non. D'accord. Okay. Merci, monsieur le maire, de rectifier, vous avez bien fait. J'ai mal recopié. Et puis, divers petits terrains, qui sont des terrains attenants à des maisons et que les propriétaires souhaitent acquérir de telle façon à pouvoir les aménager à leur façon parce que c'est juste devant chez eux, donc qui seraient revendus dans le futur, voilà, hauteur de moins 302 000 euros. Dans les recettes, là aussi on a quelques bonnes surprises, puisque nous recevrons au titre de l'exercice 388 000 euros de plus
de subventions que ce que nous avions envisagé. Il y a deux subventions à hauteur de 100 000 euros pour la maison médicalisée de la région et 150 000 euros pour la maison médicalisée par le département, qui avaient été des subventions qui avaient été accordées sous condition, qu'on a retrouvées avant d'être forclos, parce qu'on allait être forclos, et dont on a exécuté les conditions et envoyé les documents nécessaires pour pouvoir percevoir cette subvention qui était accordée, mais qui était, je le crains, restée dans un tiroir et sans suite au niveau des éléments à fournir. Donc ça représente 250 000 euros et dans le cadre du plan de relance national, nous avons pu obtenir de la part de l'État pour l'école Chantefleur une subvention de 138 206 euros qui, de mémoire, couvre à peu près 80% du coût de cette opération-là. Donc voilà pour le budget d'investissement et pour l'ensemble du budget supplémentaire. Merci de votre attention. Tu n'as pas posé la question s'il y avait des questions, mais je pense que... Avez-vous des questions? Bien. Personne ne veut me répondre. Il y a une question. Oui. Voilà, j'ai une remarque. Donc, effectivement, sur ce qui vient d'être dit à l'instant, il faut que les Saint-Péréens l'entendent. 250 000 euros donc, de subventions qui n'auraient jamais été donc, perçues s'il n'y avait pas eu changement d'équipe. Et ça, donc, à un moment où donc, chaque euro est important et où on a donc sans arrêt, donc, j'ai expliqué tout à l'heure dans nos boîtes aux lettres, certains documents qui donnent des leçons, 250 000 euros, c'est pas rien. Voilà, tout simplement. Très bien. Moi, je voulais remercier André pour cette présentation extrêmement précise. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet. Merci, André, parce que c'est important. Et merci également aux équipes hein, de comptables qu'on a reconstituées. Et qui gère au mieux nos comptes, c'est très important. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, pardon. Oui. Alors moi j'avais des remarques à faire par rapport à ce budget supplémentaire, pas sur les éléments du budget supplémentaire, puisque bon effectivement nous avions voté le BP avant d'avoir voté le CA, donc il est normal de faire un budget supplémentaire. En revanche, c'est vrai que voter ce budget supplémentaire, c'est entériner les recettes, c'est-à-dire entériner votre augmentation d'impôt du taux de taxe foncière de 35%. C'est aussi entériner des données qui sont fausses là-dedans, parce que quand je lis dans les dépenses de fonctionnement que cette somme au chapitre 67 a été inscrite à la demande de la CRC pour 334 820 euros, j'ai là le document de la CRC et en fait, il s'agit de 133 532,90 €, pour ceux qui veulent être précis. La question des assurances, on en a parlé tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que je conteste, mais bon, je veux bien voir avec les services, en fait, mais ça me paraît une aberration quand même qu'en 2019, les bâtiments soient assurés et qu'en 2020, il ne le soit plus. Donc, voilà, je verrai avec les services, mais je veux qu'on me le prouve, parce que, bon, c'est, si vous voulez, on ne pouvait pas, en tous les cas, ce que je veux que tout le monde sache, c'est qu'on ne pouvait pas s'en douter dans la mesure où l'année précédente, les bâtiments, eux, ils étaient bien assurés. J'ai remarqué aussi dans ce que vous dites, vous ironisez sur les travaux de la toiture Anne Frank. Et je ne vous permets pas d'ironiser par rapport à ça, parce que ça fait 2 ans, en fait, que les travaux avaient démarré et il a été dépensé plus de 1 million sur cette toiture. Donc, la toiture Anne Frank, elle est très grande. C'est vrai qu'il y a même eu des difficultés par rapport aux fenêtres de toit, en fait, au Velux. Et donc, ça a dû être repris. Il y a eu la crise du Covid qui a ralenti les travaux. Mais on ne peut pas dire que les choses avaient été laissées à l'abandon et qu'enfin on s'en occupe, parce que non, ça fait 2 ans que nous occupions de la toiture d'Anne Frank, et justement, en fait, c'était un préalable,
Et comme vous allez le faire, il était prévu de refaire l'intérieur d'Anne Frank après avoir fait la toiture, puisque c'était la logique des choses. Donc, je ne laisserai pas dire que la toiture Anne Frank, vous arrivez en tant que sauveur pour sauver la toiture de cette école. Non, ça n'est pas vrai. Voilà, donc, ça, si vous voulez, pour toutes ces raisons, en fait, nous voterons contre ce budget supplémentaire. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on a un budget supplémentaire. Non seulement on vote les différences qui sont là, mais on entérine tout ce qui était avant. Donc, je le dis à l'ensemble des conseillers municipaux, il faut que vous en ayez bien conscience. Merci. Madame Hélico, je ne souhaite pas polémiquer, mais puisque vous citez la Chambre régionale des comptes, je pense qu'on n'a pas la même lecture. Je vais simplement... Laissez-moi finir, Madame Hélico. Mais je pense qu'on n'a pas la même lecture. Donc je vais juste donner lecture de ce que moi j'ai lu et je m'arrêterai là, mais il faut... Oui, mais je l'ai, Madame Hélico. Je l'ai. Sauf que vous prenez un élément qui vous arrange dans la Chambre régionale des comptes par rapport à la diatribe administrative, et dans la diatribe administrative, vous prenez ce qui vous arrange. Mais moi, je lis sur la page 3, sur le déséquilibre du budget 2020. Je n'entrerai pas dans la discussion, je m'arrêterai là. Considérant que la décision modificative du 19 janvier 2021 augmente les inscriptions de la section de fonctionnement du budget 2020 d'un montant de 960 000 euros en dépenses et de 243 000 euros en recettes, ce qui fait une différence de 700 000 euros. Considérant que ces inscriptions vérifiées par la Chambre sont sincères, sur la paragraphe 3 de la même page, sur les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre, considérant que les ajustements apportés par la décision modificative du 19 janvier 2021 visent à corriger des anomalies budgétaires et comptables, que ces corrections consistent à régler des factures impayées antérieures à l'année 2020, annuler à tort des titres de recettes et à constituer des provisions pour risque au titre de créances douteuses. Je lis, madame, les termes exacts de la Chambre régionale des comptes et je ne rentrerai pas au-delà dans la discussion. Merci de votre attention. Donc, voilà. Non, mais... Nous avons beaucoup de débats sur le sujet. Je pense que la phrase que dit monsieur André Garnier, que je vous ai fait lire lors d'un conseil municipal, voulait, je pense... Je peux me permettre, mais moi, je veux rentrer dans aucune polémique. Pas tout à fait intégré. Maintenant, on peut repasser l'histoire comme on veut. Vous avez laissé quand même une situation déficitaire. On doit la régler. Les chiffres, on ne les invente pas comme on veut. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord. On comprend. C'est normal. C'est votre rôle. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut peut-être qu'on arrête de discuter de ça parce que, je veux dire, on a autre chose à faire. Quoi. Voilà. Oui, simplement, moi, je veux que les choses elles soient rétablies parce que quand on parle de l'année 2020, il faut savoir que notre équipe a géré la mairie pendant 6 mois et la vôtre pendant 6 mois. Donc, avoir à la fin de l'année 2020 un déficit de 700 000 euros, ça ne veut absolument pas dire que l'équipe... Mais Madame Hélico, les chiffres... Non, non, stop. On va pas continuer comme ça longtemps, Madame Hélico. Vous allez... Non, non, non. Mais attendez, Madame Hélico. À revenir sur telle phrase ou telle phrase, d'accord? La Chambre régionale... Attendez. Je veux... J'ai encore rien dit. Mais je n'ai rien dit encore.
Eco. On ne va pas revenir. D'accord ? Simplement, Madame Eco, moi je vous demande de vous rapprocher des services une bonne fois pour toutes et du cabinet et d'aller voir les 773 factures qui étaient impayées sur les années 2017. Non mais si vous avez. Attendez, moi je vous pouvez pas dire que c'est faux. Je vous raconte juste une petite histoire. J'ai été invité à la soirée de l'UME, l'Union des maires de l'Essonne. D'accord ? Je suis maire, je suis convié à l'Union des maires de l'Essonne. Première soirée où je vois les maires de l'Essonne. Je rencontre le trésorier. Bon, je salue. Et il me dit, vous êtes le nouveau maire de Saint-Pierre-du-Perret. Il serait peut-être temps de payer vos cotisations, vous avez 2 ans de retard. Je ne vous cache pas qu'une première soirée où on vous accuse de ne pas avoir payé vos cotisations depuis 2 ans, ça la fout un peu mal. Ce que je veux simplement dire, Madame Elico, on ne va pas y passer 5 ans, 50 ans. Vous n'êtes pas d'accord. Je vous demande simplement de vous rapprocher auprès des services pour constater les 773 factures d'un montant d'1,3 million qui n'était pas payé. Vous pouvez faire, non, Madame Banquet, je ne les ai pas inventées. Je ne les ai pas inventées, ces factures impayées. D'accord. Donc, soit vous venez les voir et vous les constaterez avec nous. Bah oui, oui. Bah, je suis désolé. Alors, je suis d'accord que sur 2017, il y avait 3 factures. Hein, c'était la SACEM, principalement. Mais sur 2018 et 2019, il y avait des factures, les carceurs, par exemple, qui n'étaient pas payées depuis des années. Il y avait l'EDF qui n'était pas payé depuis des années. Combien ? 170 000 euros. Je vous passe sur les loyers impayés. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi constater les choses. Je ne suis pas certain que Mme Banquet, avec tout le respect que je vous dois, vous étiez parfaitement au courant de toute la comptabilité de la commune. Simplement, on ne va pas polémiquer pendant des années sur le sujet. On a constaté 773 factures sur 2017, 2018. 2017, on oublie, c'était la SACEM, c'était aux alentours de 600 euros. Je connais par cœur le sujet. Mais sur 2018, 2019, il y avait tout un ensemble de factures qui étaient impayées et qu'il a fallu payer. Voilà. Je vous prends un exemple. Manutan, qui est un fournisseur d'outils, d'accord ? On travaillait avec Manutan Outillage. Manutan Outillage ne voulait plus travailler avec nous parce qu'on ne payait pas les factures. Donc aujourd'hui on travaille avec Manutan, mais pas Outillage. Donc on paye un peu plus cher. Donc on est en train de rétablir la situation. Mais voilà, c'est plein d'exemples comme ça. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut arrêter de polémiquer, de dire non, c'est pas vrai. Venez voir, venez les constater vous-même. Voilà. Et quand les phrases de la Cour des comptes qui dit que les factures impayées sont aux alentours de, c'est antérieur à 2020, c'est pas moi qui l'écris, d'accord ? Non mais. Bien, on va passer. Enfin, je passe juste un petit détail, Madame Elico. J'aurais bien aimé que vous nous parliez des 250 000 euros de subventions que vous aviez demandé, que vous n'avez jamais réclamé, parce qu'elles étaient traînées dans un couloir. Ce serait bien aussi que vous parliez. J'aurais bien aimé aussi que toutes ces informations que vous nous parliez, ça a été abordé en commission finances, tout ça ? D'accord, très bien. Enfin, oui. C'est du Wi-Fi. Non, juste pour revenir sur ce qui est dit depuis tout à l'heure, on pourrait très bien organiser pas une journée porte ouverte, mais une réunion publique pendant laquelle seraient mises sur la table toutes ces factures, on les a vues, bon après voilà, et que tout à chacun puisse venir se rendre compte. Parce que je veux dire, on va pas rester dans ces débats stériles, et on va pas faire 5 ans encore comme ça. À un moment donné, soit la vérité est enfin mise au grand jour et étalée sur la place publique et on n'en parle plus une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose et on avance pour les habitants. Après, je sais qu'on ne peut pas le faire. Il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer, mais à un moment donné, on ne va pas rester comme ça à dire c'est toi qui l'as dit, c'est pas toi qui l'as dit. Je fais déjà ça toute la journée avec les gosses au boulot. Je ne vais pas le refaire ici ce soir. Très bien. Enfin, à un moment, voilà. Voilà. Bon, on va passer au vote. Voilà, moi, nous, on tient à vos dispositions. On va peut-être arrêter, si vous voulez, monsieur. De notre groupe, ben, évidemment, on va voter ce budget supplémentaire parce que tout simplement, donc, il entérine des recouvrements qui ne sont pas neutres, en l'occurrence déjà 250 000 euros qui avaient été oubliés dans les placards. Ça, effectivement, je le rappelle parce qu'il faut que les Saint-Péréens donc, l'entendent. Et si donc des personnes mettent le doute sur le fait de facture ou autre chose, 250 000 euros qui n'ont pas été réclamés, ça, c'est du factuel. Une attestation d'assurance 2020 qui n'existe pas alors que donc on fournit 2019, c'est du factuel. Donc, simplement, si on empile tout ça, je rappellerai que donc on est à plusieurs millions d'euros sur le patrimoine et on rajoute 250 000 euros. Alors, les personnes qui viennent effectivement prendre du temps à chaque conseil municipal pour nous dire qu'il y a 1 000 euros ou 3 000 euros qu'il faut reprendre, etc., il faut peut-être un peu arrêter et avancer sur les sujets plus importants pour les habitants. Merci. Très bien.
On va passer au vote. Y avait-il pas d'autres interventions de la part de... Non ? Pas d'autres ? On passe au vote. Donc, je vous propose de... Quels sont ceux qui sont contre ? Donc, trois voix qui sont contre. Donc, Madame Alicot Viala, Madame Banquet et Madame Zerblantier. Les abstentions ? C'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie. On passe au point suivant. Merci encore, Monsieur Garnier, pour l'exactitude de cette présentation. Ça passe au point RH. C'est donc la création et la suppression d'emplois, filières administratives, techniques, sociales, animation. Donc cette délibération, c'est principalement pour lister les avancements de grade et les promotions internes. D'accord ? C'est pas des créations, c'est création au niveau du tableau d'emploi, mais c'est pas des créations en termes d'embauche physique de nos équipes. Donc on a une création d'un emploi d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. On a la création d'un emploi de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet. On a la création d'un emploi d'agent de maîtrise à temps complet. La création d'un emploi de rédacteur à temps complet. La rédaction d'un emploi d'adjoint d'administration principale de deuxième classe à temps complet. Bien sûr, il est nécessaire de supprimer des postes de contractuels vacants ne correspondant plus aux besoins de la collectivité. Voilà, donc après on explique la suppression des différents emplois. Donc je rappelle que ce n'est pas des emplois physiques qu'on embauche, hein, ce n'est pas du personnel, c'est les promotions internes et les avancements de grade pour nos équipes, pour certaines qui n'avaient pas été faites depuis des années. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Très bien, quels sont ceux qui sont contre ? Abstention ? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie pour nos équipes. Deuxième point de l'ordre du jour sur la RH, la fixation de la liste des emplois et conditions d'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En clair, c'est de définir les emplois qui ont le droit aux heures supplémentaires. Alors, pour information, c'est une délibération qui nous a été demandée par la Chambre régionale des comptes, dans le cadre de clarifier, en fait, les emplois qui utilisent les heures supplémentaires. Ça n'a pas d'impact pour nos agents. C'est juste pour se mettre en règle avec les demandes de l'État. Voilà. Y avait-il des remarques sur cette décision, cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Abstention. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, je vais laisser la parole à Shakir Farizi, puisque c'est l'implication des 1607 heures. Et comme il y a eu un énorme, très, très grand travail de concertation avec les syndicats et le personnel, puis il y a eu plusieurs réunions pour arriver à ce résultat, je tenais à le signaler, ça rentre dans la démocratie implicative. Donc, je laisse la parole à Shakir Farizi sur le sujet. Merci, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers. Donc rapidement, je vais vous faire une... Alors, vous avez eu certainement la note explicative avec la délibération, mais c'est aussi pour les habitants, pour qu'ils comprennent aussi les enjeux, et c'est aussi pour eux que je vais détailler un petit peu plus précisément. Donc je vais commencer par la genèse. Vous parlez ensuite de la méthode qui a été induite au sein de notre collectivité. Vous dire ce qui a été retenu comme nouvelle organisation du travail. Et voilà, la prise en compte des suggestions particulières. Donc en fait, il y a eu une loi le 3 janvier 2001 qui a donc institué la durée légale du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui a été fixée donc à 1600 heures annuelles auxquelles se sont ajoutées les 7 heures de la journée de solidarité en 2004. Donc depuis, les agents sont censés donc travailler 1607 heures effectives. Alors, lors de la mise en place des 35 heures en 2001, les collectivités avaient la possibilité, par délibération express, de maintenir les conditions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. Donc, la ville de Saint-Pierre-du-Perret avait décidé de maintenir son régime dérogatoire et donc de conserver sa durée annuelle du temps de travail qui était donc de 1561 heures. Donc la loi du 6 août 2019, qui est arrivée par la suite, donc qui s'appelle donc loi de transformation de la fonction publique, donc qui vise à harmoniser la durée du temps de travail de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale en supprimant donc les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieur à la loi du 3 janvier 2001. Donc cela signifie tout simplement la suppression des dispositions locales qui réduisait donc cette durée du temps de travail effective et la disparition donc des congés extra-légaux et les autorisations d'absence non réglementaires. Donc, compte tenu de la durée réelle du temps de travail à Saint-Pierre-du-Perret, que je rappelle donc à 1500
61 heures. Gaëtan, tu es concerné par, dans ton organisation aussi ? Et la prescription donc, qui est faite par la loi de la collectivité, donc de respecter ces fameuses 1607 heures, il est donc indispensable de se mettre en conformité avec la loi. Donc la méthode qui a été choisie au regard des enjeux et des préconisations de concertation donc, de l'État, il a été choisi de proposer aux représentants du personnel et aux organisations syndicales de mettre en œuvre une démarche partagée de co-construction des solutions d'aménagement du temps de travail donc, à envisager. Alors, cette méthode, elle poursuivait plusieurs objectifs. Le premier donc, était de répondre à l'obligation légale du 1er janvier 2022, d'aboutir à une solution préservant la nécessité de services publics, bien évidemment d'associer les agents à l'élaboration des propositions pour prendre en compte l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, de veiller à prendre en compte la diversité des situations de travail et de communiquer, bien évidemment, le plus largement possible auprès du personnel sur les enjeux et les étapes de la démarche. Donc, dans la logique et dans l'idée de transposition des conseils participatifs qui sont dévolus donc, à la population, un groupe de travail d'agents volontaires représentatifs de la diversité des situations de travail a été constitué donc, pour travailler sur ces propositions de mise en œuvre, mais également sur les modalités d'information et de concertation de l'ensemble des agents. Donc cette démarche a fait l'objet donc d'un passage en comité technique le 29 avril 2021, qui a été donc approuvé à l'unanimité. Donc une vingtaine d'agents, donc issus de divers secteurs, se sont donc portés volontaires sur ces groupes de travail. Donc aucune sélection n'a été faite sur tous les postulants à cette démarche, et donc tous ont pu participer. Le groupe de travail donc, s'est réuni 4 fois entre le 20 mai et le 15 juin 2021. Il y a eu donc un questionnaire qui a été élaboré à partir des hypothèses émises par le groupe de travail et adressé donc à l'ensemble des agents de la collectivité. Donc, afin de favoriser donc l'appropriation de ces enjeux et de la nouvelle réglementation et du questionnaire, il y a eu donc 4 réunions d'information qui ont été organisées en interne par secteur d'activité tout début du mois de juillet. Le questionnaire donc, a été clôturé le 15 septembre dernier et les résultats donc, ont été adressés à tous les agents qui étaient dotés d'une messagerie et envoyés sous format papier pour tous les agents qui n'étaient pas dotés d'un outil informatique. Le résultat de ce questionnaire, c'est donc 44% des agents ont répondu, 93,8% d'entre eux donc souhaitent et sont donc favorables à une augmentation de leur temps de travail quotidien pour pouvoir bénéficier de repos compensatoires dénommés RTT. Une majorité, donc 42%, prévèrent donc travailler 30 minutes de plus par jour, donc ce qui ramènerait donc le temps de travail à 37h30 par semaine et donc avoir 15 jours de RTT. Il a été également souhaité que des spécificités des emplois soient reconnues en diminuant le temps de travail annuel, comme je vous le disais en introduction, pour reconnaître donc des suggestions particulières, notamment de pénibilité par exemple, en adaptant donc ce temps de travail. Ce projet d'aménagement a donc été présenté donc, aux représentants du personnel lors de la séance du comité technique du 11 octobre 2021 et du 19 octobre 2021 et a reçu donc un avis favorable. Donc le cadre réglementaire du temps de travail, donc la définition, la durée de l'aménagement du temps de travail donc, est fixée donc, par l'organe délibérant du conseil municipal après avis donc, du comité technique. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir pour délibérer sur cette délibération. Le travail donc, est organisé selon des périodes qu'on appelle des cycles de travail. Et bien évidemment, ces cycles de travail s'inscrivent dans le respect des garanties minimales du code du travail. Alors je ne vais pas vous les rappeler, vous l'avez sur la note. Et donc la nouvelle organisation du temps de travail proposée, l'amplitude d'ouverture des services administratifs au public est de 35 heures en règle générale. Donc le lundi, donc la mairie est fermée, donc ça commence donc le lundi après-midi de 13h30 à 17h, le mardi de 8h30 midi jusqu'à
samedi, donc on conserve cet horaire-là, et de mardi à vendredi, de 13h30 à 17h. Donc sont concernés donc, les services administratifs, la direction générale des services et de cabinet, mais eux ont une particularité, c'est qu'eux sont soumis à un cycle de travail qui épouse donc, les fonctions qui leur sont dévolues, donc ça monte à 40 heures en moyenne sur 5 jours. Donc forcément, de facto, ça induit une augmentation du nombre de jours de RTT. Les services techniques, donc, qui passent à 37h30 sur 5 jours. La médiathèque, 37h30 sur 5 jours. L'équipe logistique, donc une spécificité particulière, c'est qu'ils ils seront donc annualisés. Alors annualisés, rapidement, c'est de, en fait, c'est de fixer un calendrier annuel qui prend en compte les 1607 heures, mais qui sont répartis en fonction des besoins sur toute la période. Et que c'est pas, on n'est pas dans un cycle de travail fixe, comme le pourrait être, par exemple, la mairie. Le personnel d'animation, également, par rapport à ses spécificités du métier, seront annualisés. Le personnel de restauration, il en est de même, puisque ça prend aussi dans l'annualisation, il faut l'intégrer aussi, c'est les périodes de vacances scolaires qui sont intégrées. Les agents du service police municipale, donc là, il y aura tout un travail qui sera fait, puisqu'ils sont, eux, soumis à des cycles pluri-hebdomadaires. Et puis, les ATSEM, dont leur temps de travail donc sera adapté. Alors, donc il a été proposé, bien évidemment, de mettre en œuvre pour certains services une réduction du temps de travail annuel afin de tenir compte de ces suggestions particulières liées à la nature des missions et à la définition donc, de ces cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, du travail en horaire décalé, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. Donc cette réduction du temps de travail annuel au titre de la reconnaissance des suggestions particulières serait appliquée comme suit. Donc ceux qui sont exposés au bruit donc, auront moins 7 heures annuelles à effectuer sur ce temps de travail des 1607 heures. Ceux soumis aux contraintes physiques marquées, donc avec des postures et des pénibilités avec le port de charges lourdes, auront moins 7 heures annuelles. Les horaires atypiques, par exemple dans l'animation, on a parfois des temps gruyères, auront moins donc 7 heures annuelles. Ceux qui sont exposés aux risques chimiques, toxiques, manipulation d'équipements dangereux ou lourds, on pense aux collègues du centre technique municipal, par exemple, et d'autres, moins 7 heures annuelles. Tous ceux qui travaillent en travail extérieur, moins 7 heures annuelles. Travail en milieu humide et chaud, notamment les agents de la restauration, par exemple, moins 7 heures annuelles. Et ceux, bien évidemment, qui sont soumis à l'annualisation, auront donc 7 heures aussi, moins 7 heures annuelles. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui serait en annualisation, qui porterait des charges lourdes et qui serait exposé au bruit, aurait donc une cumulation, hein, donc ça ferait 7 fois 3, donc 21 heures. Donc c'est cumulatif par rapport donc aux critères de pénibilité qui ont été retenus. Alors, le bénéfice des jours de récupération du temps de travail, bah, il est simple. Ceux qui font 37h30 ont 15 jours de RTT, ceux qui font 40 heures ont 28 jours de RTT. La situation avant cette nouvelle réglementation était, donc, par rapport aux congés extra-légaux que j'ai cités au tout début. Il y avait donc 3 jours de congés extra-légaux, il y avait une journée du maire, 2 jours de pont et 14 heures de convenance personnelle et le lundi de Pentecôte non travaillé. La situation après adoption de cette délibération, bah, ça sera en fait tout simple, c'est 15 jours de RTT pour une durée de travail hebdomadaire de 37h30 ou 28 jours de RTT pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures. Voilà. Avez-vous, et bien évidemment pour finir, nous saluons au nom de l'équipe municipale et du conseil municipal, bah, les organisations syndicales et les représentants du personnel, puisque nous sommes inscrits dans une démarche de dialogue social constructif, et donc ça fait du bien. Voilà. Avez-vous des questions particulières, des interrogations, des demandes d'éclaircissement? Oui. Bon, monsieur Farissi, donc par rapport au CT, en fait, vous dites que
ça a été accepté à l'unanimité en CT du 29 avril 2021. Mais en fait, pour celui du 11 octobre et du 19 octobre 2021, il n'y avait pas de vote ou ça a été aussi à l'unanimité parce que ça n'est pas précisé. À la majorité. À la majorité, d'accord. J'ai précisé à la majorité. D'accord. Juste pour rappeler, hein, en CT, dans le cadre de ce CT, du 9 octobre et du 19 octobre, le premier, il y a eu négociation. Donc il y a eu un vote, tout à fait clair, il y avait un vote contre de la part des organisations syndicales. Et le deuxième c'était du 19 octobre, j'aurais pu décider seul. Voilà. Mais les organisations syndicales ont fait un travail, pertinent pour trouver une solution avec nous et rajouter une suggestion sur le problème de l'annualisation. Voilà. Donc c'est pour ça que Shakir remercie les organisations syndicales parce que il y a un vrai travail aujourd'hui de collaboration pour trouver les meilleures solutions pour le personnel. Voilà. Ils en sont tous ravis. J'avais quelque chose à rajouter pour être tout à fait complet. Sur la page 5, quand vous dites avant, il y avait 3 jours de congé. Il y avait aussi 10 jours pour les directeurs de service supplémentaires, 10 jours de congé. Je ne sais pas si c'est dans cette case-là qu'il faut le marquer, mais en tous les cas, ils existaient. En fait, ça ne change rien au résultat. Oui. Enfin, d'accord. Ok, bon. Ok. Je pensais que c'était des excuses, mais c'est pas ça. Ok. Y avait-il d'autres remarques? On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour le personnel. On passe à l'éducation et je vais laisser la parole à Lise Betco pour nous parler des quelques ajustements. Merci, monsieur le maire. Donc, avant de passer à d'aborder la délibération proprement dite, je souhaite vous faire un point sur les constats tirés de la délibération du 1er juillet 2021. Actuellement, 354 familles, soit 543 enfants, ont bénéficié d'une baisse des tarifs de cantine. 321 familles, soit 506 enfants, ont bénéficié d'une baisse sur les tarifs du classique 1 matin et soir. Toutes les familles ont bénéficié d'une baisse des tarifs du classique 2 du soir. Toutes les familles ont bénéficié d'une baisse des tarifs du CLSH, c'est-à-dire le centre de loisirs, par rapport à 2019-2020. Et 101 familles supplémentaires, 101 familles ont bénéficié également d'une baisse des tarifs par rapport à 2020-2021. Qui avait bénéficié d'une mesure transitoire de baisse des tarifs du mercredi, enfin du centre de loisirs en général. Le forfait 8h-8h20 qui a été créé répond à une vraie demande, puisqu'actuellement nous avons déjà 855 matinées de fréquentation pour cette offre, avec une moyenne de 37 enfants qui profitent de cette offre par jour. Pour moi, c'est très important puisque je ne vois plus devant les écoles des enfants de 5 ans qui attendent tout seuls de 8h05, 8h05 à 8h20 que ça ouvre parce que leurs parents ne pouvaient pas payer les 2,91 € du forfait complet. Donc, ça répondait à une vraie demande. Concernant maintenant la délibération, en entrant les données des familles sur Carte Plus, nous avons constaté que 14 familles de 5 et 6 enfants n'ont pas eu l'évolution des tarifs attendus. Elles ont bien vu une diminution sur certains tarifs, mais également une augmentation sur d'autres. Cela est dû à 2 facteurs. Les plafonds précédents étaient variables selon les activités, alors que le nouveau plafond est unique. Les plafonds précédents n'augmentaient pas de façon linéaire en fonction du nombre d'enfants, alors que le nouveau plafond augmente de 600 € par enfant. Je précise qu'aucune de ces familles n'a actuellement connu d'augmentation de sa facture, car elles n'ont que peu utilisé les services. Le système actuel est facilement modifiable et permet d'ajuster rapidement les données pour corriger tous les problèmes que nous pourrions rencontrer. C'est un avantage puisque ça nous permet de réagir très rapidement et de réajuster. Aussi, afin de respecter l'engagement pris lors du vote de la délibération du 1er juillet 2021, qu'aucune famille ne verra sa facture augmenter, je vous demande d'adopter la délibération qui permet d'ajouter un quart de part pour le cinquième enfant
et un quart de part pour le sixième enfant. De cette manière, les familles seront au-dessus des anciens tarifs sur toutes les activités et verront une baisse plus conséquente de leurs factures. Je vous remercie donc de bien vouloir voter cette délibération. Merci. Bien. Y avait-il des questions ? Oui, madame. Pas une question, mais effectivement, moi j'ai rencontré beaucoup de mamans et qui vous remercient vraiment parce que le changement de tarif les a vraiment, vraiment apporté socialement quelque chose en ces périodes difficiles. Donc merci encore pour eux. Je crois qu'on peut remercier effectivement le travail de Lisbeth sur ce dur sujet des tarifs du panier scolaire qui a été un long chemin, mais je pense qu'on a. On a œuvré pour l'intérêt des familles, oui. Oui. Je voulais quand même faire remarquer qu'avec l'augmentation de la pression fiscale, vous avez fait rentrer 1 100 000 euros de plus dans les caisses de la commune et que là, en fait, vous reversez 50 000 euros par an pour les parents et les enfants des écoles. Donc, en fait, le reversement, il est quand même moindre, même si on inclut l'augmentation de 9 000 euros des tarifs de la cantine. Donc, pour moi, le compte n'y est pas. L'augmentation de 9 000 euros. On n'a pas compris. Alors, les 9 000 euros, là. C'est quoi, là ? Excusez-moi, je n'ai pas compris de quoi vous parlez sur une augmentation de 9 000 euros des tarifs de la cantine. C'était par rapport, en fait, aux 3 % qui apparaissaient dans les décisions du maire au niveau du marché. Non, alors sur les coûts actuels du périscolaire, nous avons donc environ 50 000 euros pour cette mesure sur cette première année. Cette mesure est amenée à évoluer sur 2 années consécutives, avec un coût supplémentaire pour la municipalité également. Nous avons également absorbé une hausse du marché de 75 000 euros pour nous conformer à la loi Egalim qui impose aux communes 50% de bio et de produits locaux. Nous n'avons absolument pas répercuté cette hausse pour les familles, donc nous en sommes déjà à 125 000 euros rien que pour cette année. Donc vous ne pouvez pas dire ça, et il n'y a pas eu de hausse du tout du tarif de cantine. Il est toujours à 4,62 euros pour le tarif maximum. Là, je parlais du prix de l'augmentation du marché. En fait, le oui. Coût que ça représente pour la commune. C'est 75 000 euros, pas 9 000. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai pas calculé si ça faisait 3 % ou pas, mais je peux vous garantir que c'est 75 000 euros. Bien, d'autres remarques ? Je ne relèverai pas, Madame Alicot, parce qu'il y a des moments, si vous voulez, si on a augmenté les impôts, c'est parce que vous avez laissé une situation déficitaire. D'accord ? Voilà. Non, et je précise quelque chose aussi également, parce qu'à un moment donné, si vous voulez... Non, mais attendez, j'ai la parole. J'ai la parole, d'accord ? Je veux dire, j'insiste pas. Voilà, monsieur Avelan. Il faut savoir que quand on gère donc une collectivité, c'est comme quand on gère une entreprise. On a des recettes, on a des dépenses, mais le but, c'est d'avoir un bénéfice. Et le bénéfice, c'est la somme qui permet d'investir pour le futur. Donc, à partir du moment où il y a eu donc une augmentation de ressources, et Mme Alicot se trompe, parce qu'elle est même supérieure à 1 100 000, puisque donc on a récupéré 250 000 euros qu'elle avait complètement oublié dans les tiroirs. Donc, à partir de là, donc, avoir un excédent... C'est comme quand on dirige une entreprise, voire une boutique même, c'est toujours avoir un petit peu donc, d'excédent pour pouvoir investir et assurer les risques que l'on n'a pas entrevus préalablement. Merci. Bien, sur cette délibération concernant 15 familles de Saint-Pierre, des familles qui ont 5 à 6 enfants, et de leur trouver des solutions pour que socialement on puisse les aider, y avait-il donc d'autres remarques ? Je ne pense pas. Au niveau du vote, quels sont ceux qui sont contre ? Abstention ? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au deuxième point pour Lisbeth Co, qui est le projet, l'approbation du projet éducatif territorial 2021-2024. Oui, alors concernant le projet éducatif du territoire, le dernier a été signé en 2018 et arrive à échéance fin 2021. Nous devions donc en élaborer un nouveau pour les 3 années à venir. Nous avons donc profité de cette échéance pour renouveler les ambitions éducatives de la municipalité ainsi que les dispositifs qui y sont rattachés. L'objectif de la municipalité est de répondre au mieux aux besoins sociaux et éducatifs des enfants, tout en essayant de développer une véritable égalité des chances. Ce projet se décline donc en plusieurs parties.
actions sportives, culturelles et sociales proposées gratuitement sur le temps scolaire, qui touchent ainsi tous les enfants scolarisés sur la commune. Les actions ludiques, sportives, culturelles et sociales proposées sur les temps périscolaires et extrascolaires. Les actions de loisirs, d'information, de prévention et de formation proposées par le service jeunesse. Les actions pour favoriser le vivre ensemble, l'égalité, les liens intergénérationnels proposées par le service social. Un volet plan mercredi visant à intégrer des mercredis à thème pour apporter aux enfants des activités qualitatives et variées est également intégré à ce projet. Il comprend des mercredis sport, des mercredis culture, des mercredis sciences, des mercredis développement durable. Les objectifs de la ville lors de l'élaboration de ce projet éducatif sont considérer l'enfant dans sa globalité, développer, améliorer l'articulation entre le temps scolaire et le temps hors scolaire, soutenir le partenariat, le travail en réseau, le partage du travail éducatif, favoriser l'accès pour tous aux activités culturelles, sportives et de loisirs éducatifs, garantir la qualité des activités proposées, aider à la réussite scolaire et à l'épanouissement de l'enfant, inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs, permettre l'accessibilité de tous aux accueils de loisirs. Un comité de pilotage chargé d'évaluer chaque année ce PEDT et éventuellement de le faire évoluer va être mis en place. Faisant l'objet d'une contractualisation entre la ville de Saint-Pierre-du-Perray, les services de l'État et la CAF, ce PEDT permet d'obtenir des subventions et de diminuer le taux d'encadrement. Je vous demande donc de l'approuver pour une durée de 3 ans et d'autoriser le maire à signer sa convention et celle de la charte de qualité du plan mercredi. Je vous remercie. Merci, Madame Co. Y avait-il des remarques sur ce PEDT que je vous invite à lire? Bon, c'est, ça fait 15 pages. Le précédent faisait 3 pages, mais celui-là fait 15 pages. Donc, merci aux services pour le travail qu'ils ont effectué et dans l'intérêt de l'enfant. Au niveau des votes, quels sont ceux qui sont contre? Abstention. Donc, à de telles unanimités, je vous remercie pour nos enfants. Félicitations encore aux services pour le travail effectué. Et bien sûr à Madame Co pour le travail effectué. Je laisse la parole maintenant au niveau de l'urbanisme, à Nathalie Ratier pour nous parler de la modification numéro 9 du PLU. Même punition. Une synthèse, hein, parce que c'est très, très, très technique et très compliqué. Oui, oui, oui. Je vais essayer de faire vite. Pour autant, je vais quand même un petit peu lire. Temps, hein, on a tout le temps. Hein. Moi, j'ai donc on a le temps. Non, je vais faire avant. Effectivement, bonsoir tout le monde, pardon. Donc je vais vous parler de la modification numéro 9 du PLU. Hop. Le PLU a été approuvé, le premier PLU plutôt, a été approuvé le 14 décembre 2006. Et donc il a subi plusieurs modifications et nous en sommes à la 9e. Je précise également qu'une révision générale de ce fameux PLU a été également lancé depuis le décembre 2015, mais que cette révision n'est pas encore aboutie. Je vais vous parler seulement ce soir de la modification d'un seul secteur. Il s'agit du secteur du Vieux-Bourg. J'y arrivais. 1, 2, 3. L'objectif de cette modification visait plusieurs points. Renforcer la prise en compte des risques, lutter contre l'imperméabilisation des sols, inscrire la réglementation avec davantage de cohérence avec l'usage du sol et la typologie du tissu bâti, rectifier quelques erreurs matérielles et aussi améliorer la cohérence du PLU. Alors ça, c'était les objectifs généraux. Par contre, je vais vous présenter maintenant les points qui ont été précisément modifiés au sein de ce secteur, qui concernent uniquement le Vieux-Bourg, alors à savoir le secteur qui est situé entre la rue de la mairie et la rue Pasteur, je vais y arriver, et le quai des Platanes. Donc ce secteur auparavant était un secteur unique. Il a été divisé en sous-secteurs avec plusieurs règles différentes, justement pour appliquer les différentes, prendre en compte les différents objectifs, je vais y arriver,
les différents objectifs que j'ai cités auparavant. Une enquête publique donc, a été menée du 7 mai au 31 mai. Cette enquête a été, son aboutissement a été positif, je vais y arriver. Donc, en fait, les modifications du PLU dans ce secteur consistent en la modification du plan de zonage, pour le rendre plus clair. Les zones ont été identifiées par des couleurs différentes. Je vous fais grâce du document, que j'ai en couleur sous mes yeux. On a ajouté également un sous-secteur pour les Voilà, fini. Merci. En fait, c'est très compliqué. Je suis pas du tout à l'aise. Ça bon. Se voit pas. Merci. Non, mais c'est pas facile. J'admets. J'ai aussi mis des années à. Bien. Cette modification du PLU a deux objectifs majeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la GEMAPI, avec ce problème de le disque de l'eau, de risque d'inondation. Et il faut savoir que le coteau de Saint-Germain, le coteau de Saint-Pierre bouge. On le voit à travers des problèmes de rue des Vignes, problèmes de rue Pasteur. Et donc, il fallait faire quelque chose pour éviter le morcellement des terrains et éviter des constructions un peu hétéroclites et un peu sauvages sur ce coteau pour éviter que ça bouge trop. On a réussi à éviter une construction d'un immeuble rue du Château, rue de la Mairie. Il y aura 8 petites maisons en bois à la place. On n'a malheureusement pas pu éviter le projet rue de Montgardet, qui est une aberration la plus complète dans ce quartier. Et donc notre objectif de modification du plus, c'est de protéger le vieux bourg pour éviter ces morcellements, éviter de trop construire sur cette partie-là, parce que le coteau, ben, clairement, il bouge. En dessous, c'est de l'argile. Il y a beaucoup de rues en dessous, de sources, pardon. Voilà, ça, j'étais d'ailleurs chez un riverain rue de Montgardet il n'y a pas longtemps. Il a un immense terrain qui donne d'ailleurs sur la rue des Vignes. Et tout en haut de son terrain, ben, le sol est quasiment spongieux. Et c'est impressionnant. On marche dans sa pelouse. Et au bout, c'est spongieux parce qu'en fait, en dessous, il y a des drains qui ont dû péter. Donc on essaye de chercher la signification, enfin, le problème de l'origine du problème. Mais il faut protéger ce quartier en évitant les constructions dans tous les sens. Voilà. Donc c'est pour ça la modification du plus, c'est pour éviter principalement ce qu'a voulu dire Nathalie, renforcer la prise en compte des risques, lutter contre l'imperméabilisation des sols, ça veut dire ne pas trop construire pour garder le sol qui puisse vivre normalement, et puis ensuite être beaucoup plus cohérent sur ce quartier. Voilà. Je pense que vous avez compris, hein, l'objectif c'est de protéger le vieux bourg. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Bien. Donc, quels sont ceux qui sont contre? Abstention. Donc, adopté à la majorité, ça veut donc dire qu'on ne pourra plus morceler sur ce terrain. Merci pour les habitants du Vieux-Bourg. Merci pour Saint-Pierre, parce que c'est un quartier que j'aime beaucoup. Voilà. Le point suivant, Nathalie, c'est la... Là, ce... Je le fais. Alors, c'est la cession d'un bien. Donc, vous savez qu'on a, suite à la situation déficitaire qu'on a trouvée en arrivant, on a décidé de vendre un certain nombre de biens sur la commune, qui en fait n'est pas spécialement intéressant, comme le 19 rue Pasteur, pour ceux qui le connaissent, qui va être vendu à SNL, Solidarité Nouveau Logement, pour en faire des bâtis d'un accueil pour les personnes qui sont en difficulté. Et on vend également, donc là c'est la libération, c'est pour acter la vente de cet appartement qui est au 10 Manureva. Donc je la fais un peu courte. Cet appartement est loué depuis 6 ans à une dame et ses enfants ont émis le souhait d'acquérir le bien pour leur mère. Donc on a fait estimer, comme la loi nous l'impose, estimer les domaines de cet appartement qui vaut au niveau des domaines 165 000 euros. Et donc nous avons le droit de faire une décote de 10% pour couvrir les différents frais envisagés pour la remise en état du bien. Ce qui fait que nous allons le vendre 150 000 euros. Donc je vous explique, les domaines nous indiquent le prix est 165 000 euros. Vous avez cet appartement, il y a beaucoup de travaux à refaire, que nous devrions refaire en tant que propriétaire pour le louer dans des conditions acceptables. Il y a une partie de la toiture, enfin voilà. Les enfants acceptent de prendre en charge les travaux
Et donc, nous, dans contrepartie, on accepte de vendre, de faire une décote de 10%. Donc, on vend à ces personnes, ces enfants qui l'achètent pour leur mère, l'appartement au 10 rue de Manureva, 150 000 euros. Voilà. Un appartement qui fait une superficie de 86 mètres carrés, 89, grévé d'une certitude de passage sur Manureva. Y avait-il des remarques sur cette délibération? Oui. Moi, j'ai une question. C'est juste l'appartement qui est collé à celui-là, là. Il n'est pas à vendre. C'est une propriété de la mairie. Oui. Mais il n'est pas à vendre. Enfin, la personne n'a pas souhaité le vendre, puisqu'en fait, on propose bien sûr au locataire de. Oui, oui, on a préféré. On propose au locataire de l'acheter. Voilà. Des remarques? Oui, en fait, je veux profiter de cette délibération pour vous interroger sur les logements d'urgence. Parce que jusqu'à présent, en fait, la commune avait un certain nombre de logements d'urgence qui ont pu s'avérer utiles dans certaines situations, hein, puisqu'il y a des pavillons qui ont brûlé ou parfois des femmes qui étaient mises à la rue ou qui partaient de chez elles avec les enfants sous le bras. Et donc, ça a permis à maintes reprises, sous les différents mandats, de dépanner des Saint-Péréens. Quel est votre plan d'action pour créer des logements d'urgence? Alors, on ne va pas les créer, on les a déjà, puisqu'on a l'appartement à Anne-Franck, qui est un logement d'urgence, qui est disponible aujourd'hui, qui est vide, en cas où on a besoin. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas d'autres logements d'urgence. Tous les autres logements qui appartiennent à la mairie sont... Alors, logements d'urgence, il faudrait me dire lesquels vous aviez, hein, parce que moi, je n'ai pas eu souvenir que vous aviez beaucoup de logements d'urgence sur la commune. Hein, à part et encore le logement d'Anne-Franck, je ne suis pas certain que c'était un logement d'urgence pour vous. Mais au-delà de ça, on a aujourd'hui Anne-Franck, et on n'en a pas d'autres. Tous les autres bâtiments sont loués. Voilà. Et je précise une chose, parce que j'ai une équipe de riverains qui sont venus me voir dernièrement et qui m'interrogeaient sur une augmentation, soi-disant de 8% que j'avais fait des loyers. Il n'y a pas eu d'augmentation de 8% des loyers des biens de la mairie. Déjà, la loi ne le permettrait pas. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai la liste des logements ici. Là. J'en ai deux dans le Vieux-Bourg, un à Anne-Franck, un à Champ-de-Fleur, un à Manureva et deux à Manureva. Les loyers n'ont pas augmenté. Voilà. C'était juste pour vous rassurer, parce que je crois que vous aviez écrit que j'avais augmenté de 8%. Voilà. Enfin, non, vous aviez voulu augmenter. J'avais lu des courriers. Je dois être encore un menteur, je pense. Lu des courriers, non. J'imagine que ce n'est pas vous qui aviez envoyé ce courrier. C'était peut-être une erreur. Mais le courrier, je l'ai lu moi-même. Donc, je vous signale que je vous l'ai demandé, mais vous ne l'avez pas fourni. Oui, mais ça n'est pas moi qui l'ai, c'est la personne qui... Très bien. C'est la locataire qui le d'accord, possède, très bien. Qui l'a en possession. Et l'idée, en fait, c'était justement peut-être... Nous avons certains patrimoines de la commune qui ne sont pas obligatoirement adaptés comme logement d'urgence. Quand je vois, par exemple, la maison qui est impasse des Capucines, c'est un gros pavillon. Et en fait, il serait peut-être plus utile d'investir, quand il y a des programmes nouveaux, d'investir en achetant des appartements qui pourraient avoir ce rôle-là, parce que... La question risque de se poser, elle se posera probablement au cours du mandat. Voilà. Très bien. D'autres remarques? Donc je précise quand même qu'on a un logement d'urgence en cas de problème, hein, mais je souhaite qu'il y ait le moins de problèmes possible. Voilà, bien sûr. Je pense que je ne suis pas passé au vote. Sur cette délibération, sur donc, la vente de ce bien, y avait-il des votes contre? Abstention? Donc adopté à l'unanimité, merci pour cette famille. Et je passe aux deux derniers points de l'ordre du jour. Je laisse la parole à Laurie Padier pour nous parler de l'événementiel sur la commune. Merci. Donc effectivement, je vais vous parler des deux jeux concours qui vont arriver dans les semaines et dans les mois à venir. Donc le premier, c'est le concours pour les décorations d'Halloween. Donc c'est une première pour la commune de Saint-Pierre-du-Péray. Le but est donc de décorer sa maison ou son jardin sur le thème d'Halloween, comme c'est fait pour Noël. Donc, le jury de ce concours sera composé de la commission événementielle. Ils se rendront sur place pour délibérer. Le lot pour le gagnant, du coup, sera remis le 31 octobre lors de la fête d'Halloween organisée avec l'association Asgard et en partenariat avec la mairie. Et le chèque cadeau sera d'une valeur de 30 euros. Le deuxième jeu concours, donc, c'est comme chaque année, les décorations et les illuminations de Noël. Donc, contrairement aux années précédentes, il portera sur deux catégories. La première, ça sera les maisons, les fêtes
les fenêtres pardon, et les balcons visibles de la rue. Et la deuxième catégorie, ça sera les illuminations dites écologiques, donc qui seront faites avec des produits de récupération ou des illuminations solaires. Le jury de ce concours sera composé également de la commission événementielle, qui délibérera le 17 décembre et sélectionnera 3 gagnants par catégorie. Les résultats de ce concours seront donnés le 10 janvier 2022 sur les réseaux sociaux de la mairie et sur le site de la ville. Donc je vous demande donc de bien vouloir approuver cette délibération, donc soit un chèque cadeau de 30 € pour le concours de décoration d'Halloween et un montant total du coup de 240 € pour le concours des illuminations de Noël. Très bien. Y a-t-il des remarques ? J'en profite pour remercier le service événementiel qui travaille avec toi, Laurier, donc les trois personnes du service événementiel qui font un travail, on peut le dire, hein, extraordinaire sur notre commune. Donc je pense qu'on leur adresse, par notre intermédiaire, Madame Sordon, vous adressez au service événementiel toutes nos félicitations. Et si je peux me permettre, surtout sur l'organisation du vide-grenier qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Voilà, très bien. Qui était une réussite, j'ai cru comprendre. Mais c'est normal, parce que le 3 octobre, je n'étais pas là, il pleuvait, voilà. Donc c'est normal, on a décalé au 10. Voilà, très bien. Des remarques ? Pas de remarques ? Oui. On a aussi un petit peu participé, oui, pardon, nous, associations, oui. Donc ça sera bien de parler de nous je aussi. Vous prie, parce je vous prie, que non, excusez-moi, on a, vous non, avez non, entièrement raison. Mais voilà, donc juste, je voulais dire qu'on a récupéré tout ce qui devait être jeté. Oui. Et ça fait des heureux parce qu'effectivement, voilà, c'est de la distribution, du recyclage. Voilà. Donc, c'était un peu à l'arrache. On l'a fait à l'arrache parce que voilà, c'est tombé. Voilà, mais ça serait pour l'année prochaine mieux organisé parce que c'était un petit peu compliqué. Parce que, bon, on avait des hommes qui nous ont aidés, mais c'est vrai que c'était compliqué pour nous. Voilà. Non, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Vous avez fait un travail aussi formidable sur ce jour-là pour récupérer toutes ces choses qui auraient pu être jetées éventuellement n'importe où. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour aussi votre participation. Sur cette délibération, donc des votes contre, abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour cette soirée à venir. Dernier point de l'ordre du jour, tarification des salles de location. Donc nous avons sur la commune 10 différentes salles qui peuvent être mises à disposition pour les différents utilisateurs qui en feraient la demande. Ce jour, nous vous proposons de mettre à jour la délibération sur les locations de salles appartenant à la commune, en rajoutant les salles Alain Coster, donc c'est la salle qui appartient à l'école Saint-Exupéry, et la salle Jean Villard. Donc la salle Alain Coster est proposée à la location pour les particuliers et les associations, et la salle Jean Villard sera quant à elle proposée pour les activités associatives, syndicales, ou d'entreprises privées ou publiques, et plus généralement dans le cadre de tenues de réunions, conférences, séminaires ou formations. Donc, lors de la location de chacune de ces salles, les modalités et équipements seront définis par contrat de location. Modalités et équipements que vous retrouverez sur la note explicative jointe au dossier du conseil de ce soir. Donc, quant au tarif, nous vous proposons pour la salle Alain Coster un tarif de 400 € pour les Saint-Péréens et 600 € pour les personnes extérieures à la commune. Pour la salle Jean Villard, un tarif de 1 200 € à la journée. Et donc nous vous proposons également de permettre aux associations de louer les salles à titre gracieux uniquement les vendredis et un samedi par an par association. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à mettre à disposition les dites salles selon les modalités que je viens de vous présenter. Bien, des remarques ? J'avais une question là par rapport à Jean Villard. En fait, vous n'avez pas prévu de tarifs pour les entreprises de Saint-Pierre-du-Perret ou les extérieurs. En fait, il n'y a pas de séparation. Non. C'est le même tarif pour tout le monde. C'est le même tarif pour tout le monde. Enfin, vous auriez pu noter une différence parce que certains payent des impôts à Saint-Pierre-du-Perret et d'autres pas, par exemple. Bien. Très bien. J'entends votre remarque. Je sais que vous êtes très soucieux des entreprises, oui. J'ai cru comprendre là, dernièrement. Je ne polémique pas. Hein? Oui, on précise aussi que c'est loué avec du personnel, hein, puisque la salle Jean-Villard ne peut se louer qu'avec du personnel, puisque toute la partie vidéo peut être utilisée. D'accord. Donc n'hésitez pas à faire de la pub auprès de vos entreprises, si éventuellement ils cherchent des salles. Toutes les salles ici, on peut les louer. Il faut récupérer de l'argent de toutes les manières possibles, de toutes les façons possibles. Voilà. D'autres remarques ? Voilà. Oui, non, mais je... Voilà. Quels sont ceux qui sont contre ? Abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci.
On a fini l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses. Pour quelques-unes, questions. Quelques... Oui, bien sûr. Excusez-moi, juste pour apporter une précision à la question de Mme Alicot tout à l'heure et lui apporter tous les éclaircissements nécessaires. Au sujet des 9 000 euros, il s'agit de l'avenant, puisque nous avions d'abord engagé 75 000 euros pour une première étape pour porter à environ 38% le bio et les produits locaux. Nous avons signé un avenant cette année d'une somme de 9 000 euros, effectivement, pour monter à 50% de produits bio et locaux, ce qui fait une dépense totale de 84 000 euros sur les deux fois, plus les 50 000 euros de la réforme des tarifications. Donc nous sommes à une action de 134 000 euros en faveur des familles. Très bien. Au niveau des élus, est-ce qu'il y avait des questions diverses ? Très bien. Je clôt la séance pour laisser la parole au public. J'ai oublié quelqu'un, non ? Donc on avait des questions par écrit. Je te laisse, Will, la première que tu as eue pour le service jeunesse. Il faut lister, dire la question. Et puis, oui, pas de souci. Alors, donc on a une question qui nous a été posée concernant le service jeunesse. Alors, je lis ce qui a été dit. Maintenant, les jeunes ne peuvent plus s'inscrire aux sorties. Ils ne font pas d'activité, mais si les activités leur plaisent pas, comment faire? Il serait bien de faire participer les jeunes à la mise en place et au choix des activités au moins. Il n'y aura pas de souci. En attendant, certains jeunes ne vont rien faire pendant les vacances scolaires avec cette nouvelle orientation. Alors, je rappelle, avant de répondre, ce que nous étions à la rue du commerce pour la maison de jeunesse qui était avant, qui ne pouvait pas accueillir plus de 10 personnes. Donc maintenant, nous nous trouvons à la rue à la tour Omori, où nous pouvons accueillir beaucoup plus de jeunes. Donc, je reprends à la question qui a été posée. Le club ado accueille les jeunes de 11 à 17 ans, du lundi au vendredi, jusqu'à 30 personnes. Ce qui correspond à nos capacités d'accueil et d'encadrement. Le montant de cette inscription varie entre 6 et 9 euros pour la semaine, selon le quotient familial. Les jeunes s'inscrivent à la semaine, ce qui leur permet de participer à l'ensemble des activités qui ont lieu au sein de la tour Maury, où je viens de citer précédemment qu'on a déménagé. Sous la période, ils ont cependant la possibilité de choisir de ne pas participer à certaines activités, c'est-à-dire de ne pas venir forcément tous les jours, ce qui permet aux familles d'avoir cette flexibilité. Concernant les sorties, les jeunes peuvent s'y inscrire, soit via les inscriptions complémentaires à la semaine, des activités sont proposées à la tour Maury, soit via une inscription indépendante. Il est donc possible pour les jeunes de ne pas participer aux sorties. Les capacités d'accueil d'encadrement étant limitées à 30 places, donc il est vrai que les jeunes qui viennent s'inscrire dès l'ouverture des inscriptions choisissent de participer en général à l'intégralité des plannings proposés pour la période des vacances, activités et sorties. Par ailleurs, il est proposé des sorties aux jeunes de 15 à 17 ans afin de diversifier l'offre pour répondre aux attentes de toutes les tranches d'âge jeunesse. Enfin, chaque période de vacances se clôture par une réunion de bilan avec les jeunes et avec des échanges sur les points positifs et les axes d'amélioration. Il est également proposé de donner leurs idées pour la préparation des plannings et des vacances scolaires. Voilà les réponses qu'on peut apporter qui a été posé sur Internet. Merci beaucoup à votre attention. Voilà, je pose deux autres questions. Je vais prendre les questions qui m'ont été adressées par écrit, et puis après je vous laisserai la parole, puisque pour le public qui est ici. Question d'Émilie. Alors, je ne donne pas son nom, mais elle se reconnaîtra, je pense. Bonjour, est-il possible d'avoir un stationnement handicapé dans le parking Manureva, proche de l'entrée du centre aéré? Et elle précise en vous remerciant d'en avoir refait deux devant l'entrée de l'Ulysse. Merci. Et je réponds que c'est une excellente remarque.
Très bonne idée. On va voir ça dès demain avec Marianne, comment on peut mettre en place cette place de parking. Bah, dès demain, oui, parce qu'on passe du... Je ne vis pas avec Marianne, mais enfin, on est souvent ensemble. Une question de Mumu. Voilà. Bonjour. Même s'il fait bon vivre à Saint-Pierre-du-Perret, on n'a pas vu de changement dans le bon sens. Bon, je lis. Hein, quand on voit les postes au niveau de la sécurité, il y a de plus en plus de vols et de cambriolages. Qu'est-il prévu à cet effet? Bonne journée. Donc, je pense que les réponses, Liliane vous les a données tout à l'heure. Hein, c'est la mise en place de voisins vigilants, l'augmentation du nombre d'agents de la PM et l'amélioration des relations PM-gendarmerie. Je pense qu'on n'a rien d'autre à préciser, Liliane, sur ce sujet-là. Donc, j'ai répondu à Mumu. Voilà, je prends les autres questions que j'ai reçues aujourd'hui. Alors, j'ai reçu des questions de Madame Van Gart. Hein. Je pense qu'on ne va pas relancer le débat sur les impôts, parce que je vous propose, sur les impôts, sur l'augmentation de 7 points des impôts. Parce qu'on s'est vu le 29 avril, on s'est vu le 29 avril, on s'est vu le 20 juillet. Vous êtes venu passer quelques jours avec nous, vérifier tous les comptes. Je pense que je vous propose de revenir me voir pour pouvoir répondre à vos questions. Merci les yeux pour votre... Oui, monsieur, mais on ne va pas relancer le débat. Mais je vous remercie, monsieur. Pas de souci. D'accord. Vous remerciez aussi, madame Alicot, s'il vous plaît. D'accord. Je pensais que vous... Mais c'est pas facile de lire, vous ne voulez pas laisser longtemps afficher votre pancarte. Donc je vous propose de venir nous revoir, parce que si on relance le débat ce soir, on va relancer un débat polémique. Je propose de revenir. Ah, mais tout à fait. Non, mais j'ai... Ah bon, bah, si vous voulez, j'ai une voix qui porte. J'ai pas besoin. Si vous voulez. Je répète, hein, réunion publique à l'avenir, etc. Ou du moins travailler avec les habitants pour que ça soit un petit peu plus entendu et compris par les habitants. Même si, je répète, que lorsque j'étais conseillère municipale, j'avais averti à plusieurs reprises que de toute façon, pour la nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, les budgets seraient difficiles. Voilà, pour X raisons que je ne vais pas évoquer ici. Maintenant, sur la taxe Gemapi, il a été voté donc le 28 septembre, cette fameuse taxe, je répète que je ne suis pas contre, d'ailleurs je l'ai mis dans le courrier que je vous ai adressé sur la biodiversité, les zones humides, etc., évidemment. Mais 40 euros par habitant, d'une certaine manière, ce n'est pas entendable. Ça a été dit et voté comme ça lors du conseil communautaire. Donc moi, la question que je posais, c'était qu'est-ce que ça veut dire 40 euros par habitant? Est-ce que c'est 40 euros par foyer fiscal? Est-ce que c'est 40 euros par adulte? Et alors, si c'est les adultes à partir de 18 ans, je suppose quand même que les enfants, on peut espérer les enfants ne comptent pas là-dedans. Voilà. Donc ça, c'était une vraie question et qui va se poser quand les gens vont recevoir leur feuille d'impôt avec la taxe Gemapi. Or, ce n'était pas clair. Donc c'était l'objet de ma question sur les finances. Voilà. Après, j'en ai d'autres, mais ce n'est pas les mêmes. Voilà. Alors, juste pour vous répondre rapidement, hein, donc, je vous propose de revenir me voir sur les problèmes des impôts. Oui. Sur la taxe Gemapi, vous relisez la délibération, ce n'est pas 40, c'est 14 euros. J'ai la délibération devant les yeux, c'est 14 euros. Alors, ils l'ont transformé, hein, parce que ça a bien été entendu 40. Hein, je n'étais pas la seule à entendre, en plus. Non, mais je l'ai ici. Je vous la fournis dans un instant. Non, mais si vous avez, parce que la délibération, voilà. On n'a pas pu encore la voir et la lire sur le site. Les modalités restent à définir, voilà. Donc, c'est pour ça que je commence à vous en parler. Bon, mais on fera des réunions publiques sur le sujet, parce qu'il est important de comprendre ce que ça représente
sur la GEMAPI. Oui. Il y aura des réunions, bien sûr, sur le budget. On s'y est engagé de présenter le budget avant son vote en réunion publique. Donc, on a eu du mal à faire des réunions publiques depuis du Covid. Ça revient. On a fait une réunion urbanisme, on a prévu une réunion sécurité. Il y a d'autres réunions qui sont prévues pour les riverains, plus spécifiquement sur la ZAC des Clés de Saint-Pierre, pour présenter les différents projets LGA, Kaufmann. Ça sera fait a priori en décembre, puisqu'on devrait avoir les permis de construire que je n'ai pas encore. On devrait les avoir donc, pour la population. Et bien sûr, nous ferons en janvier une réunion publique pour présenter le budget. Alors le 15 décembre, hein, puisque le prochain conseil municipal, c'est le 16 décembre, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Le 16 décembre, ça sera le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est important aussi. Et on fera une réunion publique entre les deux, entre le DOB et le vote du budget primitif. On fera une réunion publique en janvier pour présenter comment on s'y est engagé à la population et discuter éventuellement des potentiels intérêts que la population pourrait présenter sur différents sujets. Voilà, ça c'est pour vous répondre à votre question. Et sur la GEMAPI, on fera des réunions avec Philippe Rio, que vous connaissez, puisque j'ai cru comprendre que c'était de la même obédience politique que vous, qui a lancé ce principe sur la GEMAPI. Qui devrait intervenir dans chaque commune pour présenter le sujet. Mais justement, j'avais une question supplémentaire là-dessus. Vous avez évoqué tout à l'heure la gestion publique de l'eau, à laquelle certaines communes de Grand Paris Sud commencent à s'intéresser et travailler dessus, comme Corbeil ou le Cours des Monceaux, par exemple. Philippe Rio, c'est vrai, a fait un gros, gros travail là-dessus que j'ai suivi, puisque on était très intéressés par ce genre de problématiques, puisque Saint-Pierre-du-Perret risque d'éteindre avec sa pente la gestion des eaux pluviales, pas seulement des zones humides, hein, la gestion des eaux pluviales en particulier, etc. etc. Donc on s'est particulièrement intéressé, on a travaillé là-dessus. Et c'est vrai que la gestion publique de l'eau, là c'est un gros travail à faire, hein, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, parce qu'on passerait d'une société privée à une régie publique. Il n'empêche que dans tous les coins et dans toutes les communes, ou les interco, les fusions de communes où ça s'est passé, ça a été positif pour les habitants. Ça coûte moins cher. Par contre, ça demande effectivement plus d'agents, une régie particulière. Enfin bon, c'est tout un travail, une construction qu'il faut faire. Mais par contre, ça, on a les populations et les communes et les territoires, en gros, comme on dit aujourd'hui, ont tout intérêt à mettre en place ce type de travail qui ne se fait pas en quelques mois. Hein. Voilà. Pour compléter l'histoire de GEMAPI. C'est une réflexion qui est en cours au niveau de l'agglomération. Je réponds à vos deux autres questions. Donc sur la Boxy, je pense que j'ai répondu. Hein. Je crois que c'est pas tout à fait. Je voulais juste rajouter quelque chose sur la Boxy. Ce qui a été dit tout à l'heure, j'étais d'accord avec tout ce qui a été dit en contre. Et, bon, parce que j'habite le quartier, déjà, et d'une. Hein, voilà. Et de deux, comme riveraine. Alors tous les soirs, bon, il y a des jeunes qui viennent sans doute prendre des produits, s'installent. Et puis, après tout, pourquoi pas, voilà, parce que ça met de l'animation dans le quartier. Mais ceci étant, moi, ce n'est pas la question que je voulais poser. Parce que même si je suis très sensible à l'art moderne, et par exemple, quand on sait les polémiques qu'il y a eu quand on a installé Beaubourg en plein quartier du Marais, on sait très bien ce que ça a donné. En termes de conflit culturel, Annick ne me démentira pas là-dessus. Ceci étant, là, pour le coup, dans le lieu qui doit être le pôle culturel de la commune, ou sur lequel on doit y réfléchir, très franchement, déjà, ça ne me semble pas approprié, déjà et d'une. Et de deux, sur la relation sociale, parce que la pandémie vient de nous montrer que les relations sociales étaient très importantes pour les gens. Or, faire du numérique, la loi ASAP que vous allez avoir à travailler hein, sur la simplification de l'action publique, vous allez voir le numérique, y compris les enquêtes publiques qui se feront par voie numérique, y compris. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus le droit de venir en discuter. Donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir sur quand on installe des choses comme ça, est-ce qu'on pense, même si effectivement il y a des besoins qui se font sentir à 23h, comme vous, monsieur le maire, ou moi, éventuellement, à 2h du matin, quand je rentre d'une soirée. Bon, ça n'est pas une excuse. Je vais le dire, ça n'est pas une excuse. Ça n'est pas une excuse. Et je pense que penser aujourd'hui à ce que la difficulté, vous le savez, les conséquences psychologiques, voire psychiatriques pour certains, ont développé par rapport à la Covid, je pense qu'il faudrait quand même y réfléchir aussi. Ce n'est pas qu'une question de facilité numérique pour avoir une salade
ou un sandwich quelconque. Et en plus, comme l'a dit Madame Dijben, pas forcément de la plus écologique possible. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc je voulais rajouter ça parce que ça me manquait, ça manquait. Et puis dernière chose, sécurité devant la boxie. Il y a depuis combien de temps, Michel ? Trois mois, deux mois ? Un camion qui est installé avec tout un tas de détritus dedans. Alors. Et tout le monde vient y mettre, bien sûr, c'est plus facile, hein. Qui un max, qui un masque, qui un sac. Enfin bon, je passe des murs sur les ordures qu'on met dedans. Mm. Et il n'a toujours pas été enlevé. Je sais très bien que c'est compliqué d'enlever un véhicule comme ça sur la voie publique. Mais bon, il est en plein devant la boxie. Voilà. Mais je connais très bien ce bâtiment. Je connais très bien ce camion. Alors j'espère que ce n'est pas le camion de Alors, Will. C'est quoi le camion? Parce que je pense c'est que Jean Wilbert, bon, non, je vais aller pas, le voir. C'est pas son camion à lui, mais lui est garé souvent devant. Et le camion, c'est une entreprise, puisqu'on s'est renseigné. C'est une entreprise qui travaille dans le coin, qui ne va pas rester ad vitam aeternam, parce que nous, on a une politique très dure sur les voitures ventouses. Hein. Faut être clair que nous, les voitures ventouses, ça coûte, pour ça, vous essayez tous au courant, ça coûte. Mais 200. Il bouge pas. Hein. Attends, le camion ne bouge pas. Hein. Bah, si, il bouge de temps en temps. Il bouge de temps en temps. Ah bah alors ça. Non, elle est juste sous ma fenêtre. Hein, je peux vous confirmer. Monsieur Will. Ouais. Monsieur Jean Wilbert, parce qu'on l'appelle Will, excusez-moi, vit juste en face. Et il me dit que le camion bouge. Moi, je l'ai vu bouger aussi. Voilà. Maintenant, Nous qui sommes riverains, enfin, moi, écoute, je regrette, Jean, mais franchement, on l'a pas vu bouger. On a une politique très. On a une politique très. S'il vous plaît. Non, on dit. Moi, j'ai pas le temps. Là, s'il vous plaît. Mais bon. Bon. Et même, il n'est pas sur la voie publique. C'est même dangereux pour ceux qui ont. Ça, c'est vrai. Non mais alors, j'entends ce que vous dites. Simplement. Il ne bouge pas, il est toujours placé au même endroit. Je sais, j'ai remarqué. Il est à cheval sur la même ligne. Je sais. Je sais. Les roues à droite croisées, je le vois tous les jours. Je sais. Alors, sachez que nous, on a une politique. On a une politique. Alors, je vais répondre. On a une politique très dure sur les voitures ventouses ou sur les camions ventouses. Ça coûte 269 € quand on retire une voiture ventouse et qu'en général, on essaie de récupérer par le trésor public, vu qu'on a en général les papiers d'assurance. Ce camion-là appartient à une entreprise qui n'est pas quelqu'un qui a laissé son camion et qui attend que ça se passe. On s'est renseigné, parce que je ne sais pas, c'est Will déjà qui nous l'a signalé. Moi, je l'avais signalé parce que je trouvais que ça faisait pas très, très joli devant la boxy. Je l'avais signalé également. Ça appartient à un privé qui est assuré. Je ne peux pas la retirer parce que ça appartient à quelqu'un, quoi. Les voitures ventouses, on les retire parce qu'on met une place au sol. Et si au bout de 8 jours, ça ne bouge pas, on a le droit de la retirer. Je ne peux pas retirer les voitures comme j'ai envie. Voilà, ça appartient à quelqu'un qui se gare là et qui bouge et qui travaille dans le coin. Voilà, c'est une entreprise. Maintenant, si on constate dans 3 mois, 4 mois que c'est toujours là, on se posera la question, mais je connais la personne. Le parking qui est devant la boxy, oui. Ce sont des places de stationnement pour des véhicules de tourisme, enfin tourisme, le véhicule que... Oui, mais ça, c'est des véhicules... Que les camions... d'entreprise ait besoin de stationner quelque part, ça me paraît évident, mais là, ils sont placés sur des places, sont sur des places qui concernent le stationnement de petites voitures. Enfin, c'est des camions qui... C'est y compris sur la rue de la mairie, il y a souvent une ou deux camionnettes, pareil, de gens qui travaillent, ça, je ne conteste pas ça, à côté de... Sur l'avenue de la mairie, oui, la rue de la mairie, pardon, autour de, à proximité de l'embranchement avec l'avenue des Jasmins. Ces camionnettes-là gênent la visibilité au stop. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un miroir qui a été mis. Mais enfin, ils sont là et ça dépasse souvent. Sinon, ils montent sur le trottoir pour ne pas dépasser dans la rue. Mmh. Je pense qu'il faut envisager... des places de stationnement pour ces véhicules-là, parce que c'est pas possible. Ben, le problème, c'est que c'est des véhicules considérés comme des voitures de particuliers, puisque c'est à moins d'1,5 tonne qui se construit avec un permis B, et donc ces voitures-là sont considérées comme des voitures. On ne peut pas leur interdire de se garer là. C'est comme le camion de Will, c'est comme le camion, c'est des véhicules qui sont considérés comme des véhicules classiques de particuliers. Donc je ne peux pas les enlever. Maintenant, pour vous rassurer, je vais prendre contact avec cette entreprise-là, et je vais lui demander de se garer ailleurs, pour que vous puissiez constater que le camion bouge. Voilà. Oui. Pour la droite. Il y en a toujours
Bien, on va. D'accord. On va laisser. D'accord. Voilà. J'en avais d'autres. Oui, alors, oui, il y a juste une question, Madame Van Gaard. J'étais très surprise, même étonnée, abasourdie, voire déçue. Parce que vous me demandez, Madame Van Gaard, vous qui avez été élue, comment ont été désignés les membres des commissions? Vous savez très bien comment c'est. Vous avez assisté au conseil municipal, c'était un. Oui, bien sûr, oui. Experts ou participer. Oui, voilà, c'est tout. D'accord. Or, ben, on a, on l'a su pour la finance, mais on ne le sait pas pour le reste des commissions. Et je pense que j'étais en droit de vous poser la question, voilà. Mais il n'y a pas que ça que j'avais posé. Hein. Celle-là, d'accord. Ça vous a peut-être surpris. Ok, on va laisser la parole à monsieur. Voilà. Oh, vous pouvez revenir quand vous voulez. Non. Merci, monsieur le maire, de me permettre d'intervenir ce soir. Alors, c'est vrai que le conseil municipal d'aujourd'hui, enfin, en tout état de cause, et d'ailleurs, les échanges l'ont montré, relève une certaine importance pour les citoyens de notre belle ville. En effet, la question que j'aurais souhaité pouvoir poser, c'était est-ce que vous alliez... avec l'ensemble du conseil municipal et de ses élus, notamment dans le cadre du budget supplémentaire, entériner les décisions du mois de mars. Je m'explique. Au mois de mars, vous avez pris une décision importante concernant la taxe foncière. Cela pèse sur le budget des familles. Mais depuis, cela a été souligné, il y a eu la hausse des prix de l'énergie, d'une part, les prix de la consommation, d'autre part, d'ailleurs il suffit de regarder l'inflation, et d'autre part, la situation qui s'est aggravée pour les familles, c'est surtout le manque de pouvoir d'achat, hein, la stagnation des salaires pour les actifs comme pour les pensionnés. Sans compter sur une hausse de la précarité, une hausse des sans-emploi. C'est pour ça que je suis et nous sommes déçus de la décision autour du budget complémentaire, enfin supplémentaire. Car il ne va pas soulager les familles, c'est pas vrai. Même si j'ai entendu ce qui a été dit sur la tarification auprès des enfants, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Et alors que, en même temps, j'ai entendu les chiffres qui ont été donnés par M. Garnier sur les recettes supplémentaires non négligeables qui sont venues, dans les caisses de la commune. Et là, je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas. Alors, d'autre part, compte tenu de ce que je viens de dire, voilà, s'il y a bien quelque chose sur lequel j'aurais un vœu à formuler auprès de vous et de l'équipe municipale, c'est en effet de véritablement stabiliser l'emploi communal. Le stabiliser. Alors, j'ai entendu ce qui a été fait avec les organisations syndicales, soit... C'est important, notamment sur cette question sensible qu'est le temps de travail. Ça, là-dessus, c'est pas simple. Donc, je trouve que c'est plutôt positif, en effet. Cependant, je tiens, moi, à souligner que, d'une part, quand on fait des rencontres dans nos quartiers en ce moment, il y a des réactions extrêmement douloureuses, il y a de la souffrance, il y a beaucoup d'expressions, y compris de pauvreté. Et il serait important, me semble-t-il, qu'il y ait la création sur notre commune, d'ailleurs, d'un observatoire de lutte contre la précarité et contre la pauvreté. Parce que moi, je partage l'idée autour de ce qui a été souligné sur les logements d'urgence, qu'on a intérêt à se préparer
à une explosion de ce côté-là. Alors, c'est vrai, la gestion précédente vous a conduit à certaines décisions. Elles engagent, si j'ose dire, à régler la facture d'hier et à préparer l'avenir. Cependant, nous estimons au Parti communiste français sur Saint-Pierre-du-Perret que nous, et on ne vous le cache pas, que nous sommes très inquiets de la situation actuelle. Très, très inquiets. Et je pèse mes mots. Pourquoi ? Parce que quand nous rencontrons les citoyens et les citoyennes à Saint-Pierre, et même s'ils adorent leur ville, et même si demain ils continuent à vouloir avoir des jours heureux, eh bien en fait, les décisions que vous avez prises risquent de peser sur l'ensemble de l'intérêt général de la commune. Et moi je tiens à le souligner, que le Parti communiste français ne laissera pas faire, monsieur. On ne laissera pas faire une situation comme ça. Et moi, je regrette qu'autour de cette table, des élus n'aient pas, y compris, pris le soin de s'attacher à regarder la situation économique et sociale des habitants. Moi, je suis extrêmement surpris. Extrêmement surpris. Voilà. Merci en tout état de cause pour votre écoute, mais je terminerai sur cette petite phrase. J'espère que cette écoute aura des traductions dans l'avenir pour pas que la prochaine fois j'intervienne ici, je sois obligé de dire monsieur le très, 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 très cher maire de Saint-Pierre-du-Perret. Bien. Je vais répondre, mais je vais poser toutes les questions. Y avait-il d'autres questions dans le public ? Oui, monsieur. Nouveau habitant de Saint-Pierre depuis les derniers mois de l'ancien maire sortant. Donc je vous remercie de m'accueillir dans votre conseil municipal. Je voulais juste dire quelque chose. Bon, c'est vrai que je ne connais pas tellement bien la ville, mais depuis 2 ans, je me trimballe beaucoup à pied, comme beaucoup de gens. Hein, on a été beaucoup enfermés. Franchement, qu'est-ce que vous faites quand pour les... Moi, je ne parle pas de ma rue, je ne parle pas de mon quartier. Je vais parler de la ville de Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous faites sur les espaces verts de la ville de Saint-Pierre à l'extérieur ? Pour que les piétons puissent circuler en toute sécurité. Donc je parle des arbres qui ne sont pas élagués, des pelouses qui ne sont pas tondues. Je vais parler sécurité. Alors, comme je vois que vous avez fait plein de choses, je vais reparler de l'école où il toit, c'est Hans. L'école où il y a eu le toit, que vous avez refait le toit, là. Je ne connais plus le nom. Anne Frank, vous allez devant la sortie de l'école. Moi, je peux en parler parce que je cherchais mon petit-fils. Je vais parler juste de sécurité routière, hein, pour une sortie d'école. Mettez-vous sur le passage piéton. Vous avez un panneau, passage piéton, il est dans l'arbre. Comment vous voulez qu'un automobiliste puisse voir qu'il y a un passage piéton ? Alors je sais qu'il y a une dame qui est pour faire traverser les enfants. Faites-lui faire une formation pour qu'elle sache faire ce que c'est de la sécurité enfant. Ou fermez la rue définitivement à la sortie de l'école. Mais pas que de celle-là, de toutes les écoles de Saint-Pierre. Je crois qu'il y en a une, là, il y a un morceau de route qui a été fermé devant une sortie d'école, là. Faites-le partout, de 4h à 18h, on ferme les rues. Pour les travaux qui sont à côté de cette école, vous avez fermé la rue. Pourquoi on ne le fait pas pour protéger des enfants ? Franchement, c'est ce que je voulais demander. Donc, quand est-ce que les espaces verts de la ville de Saint-Pierre soient correctement entretenus pour les piétons, les vélos, les enfants, les voitures ? Parce que quand on se trimballe pour aller rechercher la 104... En passant devant le nouveau hôtel, là, qui arrive devant la maison médicale, si je ne me trompe pas. Si en face, il y a un vélo qui arrive, la voiture a des boîtes, on se fait tronçonner la voiture par les arbres qui sont sur le côté. C'est la responsabilité de la ville. Je n'ai pas envie que moi, demain, moi, ça m'est arrivé. Je ne vais pas venir faire un constat avec ma ville. Tailler les arbres, c'est aussi simple. Je sais que ça a un coût. Hein. Alors je vais répondre parce que je sais que j'ai eu quelqu'un de la mairie en fin d'après-midi. Vous avez 7 policiers municipaux. Vous avez 3 agents municipaux qui s'occupent des espaces verts. Vous croyez pas que ça devrait être le contraire ? Alors, je vais finir parce que j'ai eu cette personne. Le verger de Saint-Pierre. J'étais gamin, je connais le verger de Saint-Pierre. Je faisais de la motocross, du 4x4 dans les bois. Franchement, qu'est-ce que c'est ? Le problème écolo. Alors, j'ai entendu des gens qui disent
Il faut déperméabiliser les surfaces, je suis d'accord. Le verger de Saint-Pierre, je comprends pas votre logique, monsieur le maire. D'avoir sauvé 2 pommiers et 3 poiriers, franchement, il n'y a personne qui s'en occupe. Je comprends qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Mais moi, je ne le comprends pas. Raser ces arbres, replantez-en d'autres ailleurs, en dehors des poiriers, je sais pas, planter des chênes, planter des beaux arbres. Franchement, quand on lit dans Le Parisien ce qui se passe dans sa commune, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Et puis, je sais que vous n'êtes pas responsable de tout, le TZ. Il y a des zones sur le TZ qui sont ultra dangereuses. Le rond-point, quand on prend là, qui passe là, je sais que ce n'est pas la responsabilité de la mairie, je sais que c'est du Grand Paris. Regardez la signalétique, vous arrivez en voiture, le nombre d'accidents que vous avez, parce qu'on ne voit pas s'il y a un TZ qui arrive. On ne voit pas les feux clignotants. Et je vais finir, parce que ça, c'est dans mon quartier. Vous avez mis des plots blancs, là, quelque part, sur la route. Franchement, quand vous voyez la logique, vous faites une réduction de circulation sur un passage piéton, vous repartez dans l'autre sens, vous libérez sur deux voies, au moment où les gens posent une accélération pour doubler une autre voiture sur un passage piéton. Mettez-les sur une file tout le long, soyez logique. Les jeunes, ils partent, moi j'habite à côté, on part tous, même nous les anciens, on part, on roule vite. Bah, bridez-la cette rue, mettez un radar d'entrée, un radar sortie. Moi je viens d'une ville qui était très riche. Ils ont réglé le problème, plein de choses. Ils ont tapé au porte-monnaie, des radars partout, des stationnements payants partout. Et je veux vous dire, moi je faisais partie des jeunes qui n'ont pas payé. Et bien franchement, quand le trésor public il vient cogner à la porte, et bien vous payez. Ah oui, la voiture avant fourrière, vous payez. Ah oui, franchement, il y a des solutions. Ils ne sont pas agréables pour les habitants, mais il y a des solutions. Et moi, comme je vais dire, je vais parler, et je voudrais que l'écologie, ça aille encore plus loin, mais dans une logique, pas bobo, parce que je viens de Paris, je sais ce que c'est une écolo bobo. Alors, faites vraiment une écologie pour vraiment que nous... Moi, je ne vais pas parler pour moi, je suis un ancien. Pour que mon petit-fils, il voit ce que c'est au moins une nature qui pousse. Que le futur, pas pour nous, pour le futur de la civilisation, qu'on voit qu'au moins les anciens, ils ont travaillé dans une logique. Et puis, comme je sais que... Arrêtez de vous battre, les deux ans, l'ancien maire sortant et le maire. Parce que c'est pas pour le bien-être de Saint-Pierre ce que vous faites. Par contre, il y a une chose que je veux vous dire. Peu importe qui c'est qui a fait les dettes, c'est nous qui les payons. Hein. Alors, au bout d'un moment, réveillez-vous, parce que les nouveaux habitants de Saint-Pierre, ils payent vos conneries. Alors moi, je vous le dis, quand vous dites merci aux nouveaux habitants de Saint-Pierre, maire sortant ou maire rentrant, pensez que la politique que vous avez fait, c'est les nouveaux habitants qui payent. Hein. Alors gérer une commune, c'est comme gérer son porte-monnaie. Hein. Merci pour mon écoute. Ben, je vous remercie. Y avait-il une autre intervention pour que je puisse faire une synthèse? Oui, monsieur Dauphin. Pour aller un peu dans le sens du monsieur, là, parce que moi aussi je me promène un peu dans Saint-Pierre-du-Perray. Je vous vois vous promener, je me promène aussi, mais vous ne me saluez pas des fois. Donc, L'allée piétonne qui est le long du nouveau hôtel, qui fait le tour en tournant sur... Ouais. Bon, là, c'est l'herbe. Il n'y a pas de possibilité de passer à deux. C'est pas tondu depuis des années. Tout à fait. Et toute la route qui va de Lieusaint à... Pareil, c'est pareil. Alors, je vais répondre. Il y a une autre question. Oui. Je sais bien que ça, ça appartient pas forcément à la commune. Mais par contre, il faut intervenir au niveau des organismes qui s'occupent de ça. Tout à fait. Une dernière question ou pas trop? Oui. Oui, pardon. Van Gart, non, je ne vous ai pas oublié, j'ai tout cité. Ah, il y a une question, oui. Ah, oui. Le comité de fleurissement s'est tenu un samedi matin. D'ailleurs, vous étiez passé nous saluer. Oui. Juste aimé savoir quand est-ce que nous aurions le compte rendu. Monsieur Jeannaudy, je crois, oui. Il me semblait. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est nous sommes un certain nombre à nous être inscrits au... Ça c'est à monsieur Farissi que je m'adresse. On s'est inscrit au pôle culturel, on n'a toujours pas ni de convocation, ni d'idée quand est-ce que ça va démarrer ou pas. Alors, voilà. On va répondre globalement. Non, mais parce que tout ça, c'est pas dit. C'est-à-dire que voilà, on est un certain nombre à nous être inscrits dans un certain nombre de groupes pour pouvoir travailler. Mmh. Hein. Mmh.
encore une fois, pour le mieux-être des habitants de Saint-Pierre-du-Perret et de Saint-Pierre-du-Perret. Voilà, et on souhaiterait avoir quand même quelques informations, voilà. D'accord. Parce qu'un compte-rendu qui arrive trop tard, il n'est jamais complet et pas assez pertinent par rapport à ce qui s'est dit, voilà. Ok, Mme Chamberlain. Au niveau de la modification du PLU, vous n'avez pas parlé de ville de Don. Et je sais que des gens qui attendent des permis de construire sur ville de Don attendent justement ces modifications de PLU. Quelles sont-elles, s'il vous plaît? On les a pas citées, mais c'est juste des correctifs pour leur, voilà, pour leur permettre de... Alors, juste pour répondre, dans les trois permis dont vous parlez qui sont en face de chez vous, d'accord, en fait, on a fait juste une petite modification de détail pour leur permettre de pouvoir placer leur maison à telle distance par rapport à la limite séparative du terrain. Donc, c'est tout. Et ça leur permet, dans leur permis de construire, de pouvoir positionner leur maison. Il manquait dans la première permis 50 cm. Et donc là, on a résolu le problème. Voilà. Il n'y a pas de changement majeur sur ville dedans. Merci, monsieur. J'ai pas le temps. Si, je vois, mais. Alors, vous savez, moi, je vais vous dire. J'entends ce que vous dites, hein, monsieur. Mais j'aimerais aussi. D'accord. J'aimerais aussi que vous regardiez tout ce qu'on a fait depuis le début du mandat. Je n'ai rien dit. J'ai rien dit, mais on me traite tout. D'accord. Je ne peux pas vous répondre à toutes vos questions parce que bon, il y a beaucoup d'aspects. Je voudrais juste que vous notiez, depuis que je suis là, on embauche des fonctionnaires, on n'embauche plus de contractuels. Voilà. 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 Et je suis très sensible là-dessus. Cardinal, voilà. Merci pour votre intervention. Vous avez dit plein de choses. Vous avez dit plein de choses pertinentes. Vous avez Monsieur Dauphin sur. Alors, je réponds à Monsieur Dauphin sur le long de la voie de Villepec. Effectivement, on y travaille, pour voir comment on peut nettoyer toute cette partie-là, parce que plus la piste cyclable qui passe sous la francilienne, je ne sais pas si vous voyez, il y a une piste cyclable qui passe sous la francilienne, qui va aller à Tigerie. Donc on est en train de regarder comment on va nettoyer toute cette partie-là, parce qu'il y a une partie qui appartient à GPA. GPA, c'est Grand Paris Aménagement, ils ne feront rien, donc nous, c'est à nous de le faire. Simplement, le problème, c'est que ça a un coût. Donc on est en train de voir avec Tigerie et Grand Paris Sud comment on peut s'intégrer pour faire un nettoyage sur toute cette partie-là, d'accord ? Aussi, voilà, route de Villepec et la route de Lieusaint, de manière à avoir une bonne visibilité. Alors après c'est un autre problème. Je vais en finir là pour vous répondre à Monsieur Cardinal. Sur les espaces verts, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts depuis le début du mandat. Je pense que les espaces verts sont beaucoup plus agréables qu'avant. On va travailler dans les prochaines semaines sur la mise à disposition des trottoirs pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et puis les poussettes, etc. Parce qu'il y a des endroits, par exemple l'avenue Suzanne Lenglen, si vous regardez, les gens sont obligés de marcher sur la route parce que les voitures sont tous garées en quinconce, enfin sur les trottoirs, et il n'y a pas de place sur l'espace vert. S'il pleut, éventuellement, on se salit ses chaussures. Donc on a fait une consultation actuellement sur Suzanne Lenglen pour faire un chemin piéton au milieu du mail Suzanne Lenglen pour améliorer la circulation et améliorer la sécurité des piétons. Vous avez dit plein de choses. Moi, je pense que sur les espaces verts, on a fait beaucoup d'efforts depuis qu'on est arrivé. Et la ville est sincèrement plus agréable. J'espère récupérer la fleur. Non. Oui. Tout à fait. Mais regardez Suzanne Lenglen, si vous regardez l'avenue Suzanne Lenglen, mais vous regardez un petit peu tous les rues de notre environnement, les voitures sont souvent garées sur la voie, sur leur entrée de garage, parce qu'ils ne rentrent plus les voitures dans le garage, parce qu'on a utilisé le garage pour faire autre chose, et donc les voitures et les personnes handicapées ne peuvent pas passer. Donc on va faire une grande campagne de sensibilisation sur ce sujet-là, et avenue Suzanne Lenglen, on propose cette solution, et on fait une consultation là-dessus. Sur le plan d'élagage, il y a un plan d'élagage annuel qui sera diffusé, je pense qu'on va le diffuser demain ou après-demain, parce qu'on ne peut pas élaguer 5 000, on a 5 000 arbres, hein, 5 500 arbres sur Saint-Pierre.
ne peut pas aller toutes les élaguer en une année, donc il y a un plan pluriannuel. On a commencé d'ailleurs, si je parle encore de Suzanne Lenglen parce que j'y suis passé aujourd'hui, mais on a commencé l'élagage Suzanne Lenglen. Donc il y a ça, vous avez parlé de... Voilà, bon après il y a d'autres sujets, mais je pense qu'il y a tellement de sujets, je pense, venez nous voir et puis on vous donnera toute la liste des réponses, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, voilà. Non, mais je le prends... Mais j'apprécie votre intervention. Gaëtan? Juste pour préciser sur le boulevard Christian-Julien, là, les temps projets de la deux fois une voie, finalement. Sauf que pour joindre quelqu'un dans les services de Grand Paris Sud, ça relève du parcours du combattant. Mais ça y est, on a enfin trouvé une interlocutrice, c'est une femme, avec qui on va avoir rendez-vous prochainement pour parler de tous ces sujets-là. Voilà. Et pour les vergers... Non, mais c'est réel, hein. Moi je suis... Je vous entends, mais il y a 40 ans, Grand Paris, on faisait le même cirque. Mais là, c'est même pas un cirque, hein. C'est une réalité, hein. Oui, ça, on est d'accord. On partage. Enfin, je vous précise juste une chose, au niveau des prix de l'immobilier sur Saint-Pierre, ça grimpe. Ouais. C'est comme on construit très très peu. On construit très très peu sur Saint-Pierre. Et donc, il y a... Pardon ? Voilà. Donc, voilà. Et juste pour finir sur le verger, c'est pas 2-3 arbres, hein, c'est 4500. Hein ? Non, on va peut-être pas lancer le débat... Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bien. On en parlera après. Bien. Je vous propose de... Non mais, Monsieur Cardinal, je suis ravi, Monsieur Cardinal, on va, s'il vous plaît, on va s'arrêter là. Je suis ravi de faire vos connaissances, bienvenue à Saint-Pierre si vous arrivez, mais je pense que vous connaissiez un petit peu le coin avant, si vous avez fait de la moto, du motocross, d'accord, très bien. Mais venez me voir et on traitera tous vos problèmes. D'accord, c'est pour ça qu'on construit très peu, hein. Voilà. Je vous remercie de la participation de ce soir. Merci de la bonne tenue de ce conseil. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Et bonnes vacances de la Toussaint.